made to believe through the lips of the Holy Prophet Muhammad that Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, was one of the mightiest messengers of God. We believe in his miraculous birth, that without any intervention he was born. We believe in his many miracles, including those of giving life to the dead by God's permission and of healing those born blind and the lepers by God's permission. Mes frères et sœurs, nous sommes de retour pour une vidéo sur la fête de Noël. La fête de Noël, la célébration de la naissance de Jésus. Ça, c'est un musulman qui parle de ça d'une manière de se moquer de la fête de Noël. Ça, c'est un musulman qu'on appelle Ahmed Hidat. On a fait cette vidéo la semaine passée, mais on a dû juger nécessaire de retourner puisqu'on avait un vrai problème de son la semaine passée. Le son nous a vraiment très compliqué. Ça nous a compliqué la semaine passée. On a vu que le message n'était pas bien capté. C'est ainsi que nous sommes venus faire maintenant une synthèse. Nous allons revenir. On va parler de ces musulmans qui se moquent de la Bible, qui se moquent de la naissance de Jésus, de la naissance, de la célébration de Noël. Et vous serez étonnés que ce n'est pas seulement les musulmans qui se moquent. Vous trouverez qu'il y avait même des pasteurs. Là, ce sont des pasteurs chrétiens, des pasteurs qui se disent chrétiens, qui se moquent eux aussi de la fête de Noël. Comme ces messieurs ici que nous sommes en train de vous passer, le monsieur qu'on appelle Marcelo Tunassi, lui aussi s'était moqué de la naissance de Jésus, disant qu'il ne célèbre pas la fête de Noël. Donc, vous voyez, ils sont nombreux. C'est 1000 dollars pour faire la si on ne fait pas la Noël. Il y aura le 20. Vous allez sur cette petite extrait. Il y aura le 25. Hey, c'est quoi? Hey, Noël. Noël. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la Noël. Amen. Hein? Monsieur, tu n'es pas joyeux Noël. Moi, Jésus est né dans mon cœur, ça me suffit. Et Jésus n'est pas né le 25. Le 25, c'est une récupération d'une fête païenne. Non, la compassion ne fait pas la Noël. Et il y a des gens, tu t'imagines, le 25, c'est une récupération d'une fête païenne. Non, la compassion ne fait pas la Noël. Donc, voilà, ouais, là, c'est Marcelo Tunassi. Il dit que lui ne fait pas la fête de Noël puisque c'est une récupération païenne. C'est une fête d'origine païenne. Il n'est pas le seul. Beaucoup de gens disent ça. Alors, nous allons vérifier avec les Écritures. Est-ce qu'un chrétien peut célébrer Noël, oui ou non? Il y a aussi ce monsieur ici, on va jouer aussi sa vidéo. Lui aussi a fait sa vidéo disant qu'on ne peut pas fêter Noël puisque c'est une fête païenne. C'est le pasteur Loï. Lui aussi, il a donné aussi son point de vue. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des origines historiques de Noël. Cette célébration commence il y a bien longtemps, bien avant l'Empire romain. Nous voyons déjà l'origine à l'époque de Nimrod. Nimrod, la jouissance et les cadeaux des Saturnales, des fêtes de divertissement et d'échange. Donc lui aussi est venu, et puisque je vais vous mettre en intégralité leur déclaration, ils disent que c'est une fête païenne. On parle de Saturnal. Il y a aussi le monsieur là qu'on appelle Jim. Ça, c'est un Américain. Lui aussi, c'était moqué. Alors, nous allons examiner. Hein? On va examiner les Écritures. Ça, c'est le pasteur Jim, lui aussi, qui s'était... Puisque le diable vraiment a attaqué l'Église. Alors, nous devons nous tenir debout dans la brèche pour parler de tout ça. When did Jesus tell you his birth was December 25th, you liar? Right. Well, Pastor Genesis' birthday was... somewhere, but you can't make up nothing. No. Jesus said to believe on him as the scripture has said. And if the scripture didn't say it, don't make up nothing. Amen. Gino dit que Jésus n'était pas né le 25 décembre. On ne peut pas fêter la fête de Noël, tout ça. Donc, on va vérifier. When did Jesus tell you his birthday was December 25th, you liar? Right. Well, Pastor Genesis' birthday was somewhere, but you can't make up nothing. No. Jesus said to believe on him as the scripture have said, and if the scripture didn't say it, don't make up nothing. Amen.
Dieu nous dit, comme la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, on ne doit pas fêter. C'est ce qu'il dit. C'est, beaucoup de gens disent ça. Alors, nous sommes en train d'examiner à la lumière des Écritures que nous disent les Écritures. Que devons-nous faire à la lumière des Écritures? Nous allons examiner tout ça. Et puis, nous allons voir un autre gars. Ce monsieur ici qu'on appelle Boris Mbota. Boris Mbota, lui aussi a fait beaucoup de déclarations sur la fête de Noël, qu'on ne peut pas fêter ça. Il a donné aussi ses raisons. Mais maintenant, nous allons vérifier à la lumière des Écritures. Contrer les bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Ça, c'est une information très importante du livre de Luc qui nous montre que la nuit de la naissance de Christ, les bergers étaient sur les montagnes en train de garder les troupeaux. Mais non, puisque vous êtes donc, en prise d'information, je vous informe. Lui aussi, il dit que Jésus-Christ était né en hiver, il y avait des bergers sur la montagne. C'est un mensonge. L'Écriture n'a pas dit que Jésus-Christ était né lorsque les bergers étaient sur la montagne. Il a ajouté le mot montagne. Alors nous allons examiner, puisque c'est tout le monde qui donne sa théorie. Jésus-Christ était né en hiver, les bergers ne sont pas sur les montagnes, tout ça. Alors nous allons examiner tout ça à la lumière des Écritures. Et à part celui-là, je vais vous revenir avec beaucoup de détails là. Il y a ce monsieur ici qu'on appelle frère Armando. Donc ici, la Bible parle sur le sapin. Le sapin est le Père Noël que les gens mettent dans les maisons pour célébrer la fête. Pour Dieu, lui, il considère ça comme étant des images taillées. Or, un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. La Bible déclare ici que quand Jésus-Christ était né, il y avait des bergers qui étaient aux alentours en train de paître le troupeau. Alors, nous allons comprendre que pendant le mois de décembre, il est impossible que les bergers puissent être hors de la maison pour paître le troupeau parce que c'est le mois où la neige commence à tomber. Ok, vous voyez un peu de déclarations comme ça. Un homme qui n'a jamais été en Israël au mois de décembre, il commence à nous dire, oh, il y a la neige là-bas, tout ça. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de gens nous ont dit ça. Nous allons vérifier. Est-ce vrai? Tout ce qu'ils disent. Hein? Il y a même le monsieur ici qu'on appelle de Jésus-Christ TV. Lui aussi s'oppose à la fête de Noël. Son nom, c'est George Nama. Des gens comme ça sont des gens... qui mentent sur la parole de Dieu. Alors, nous allons pouvoir examiner. Et après, il y a même le monsieur ici qu'on appelle Georges Baca. Roger. Roger Baca. Un évangéliste, un télé-évangéliste, mais un homme dangereux puisque c'est un grand menteur. Il dit des histoires. Il est comme l'autre là. C'est qui encore? Chora. Il est comme Mbota, Boris Mbota. Tous ces gens-là qui enseignent à la télévision, sur YouTube, mais ils n'ont pas d'église. Ils veulent décourager les gens qui puissent partir à l'église. Alors, ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter. Alors, nous examiner des gens comme ça, voir comment est-ce qu'ils mentent sur les Écritures. Ce sont des grands menteurs. Et il y a même ce monsieur Chora. Je vais vous mettre un petit extrait de Chora, ce qu'il était en train de dire lui aussi sur la fonelle. Donc, tous ces gens viennent avec leur théorie. Chacun amène sa théorie pour essayer de coller ça à la parole de Dieu et faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Oh, Jésus-Christ était né en hiver. En hiver, il n'y a pas de bergers sur la montagne puisqu'il fait très froid. C'est faux. Les bergers sont sur la montagne. Écoutez, ça c'est chaud là. D'abord, c'est écrit dans la Bible, les saints étaient vivants. Hein? Voilà, au sein de Rome, au sein de l'Éphèse, tout ça. Voilà, donc ils vont avec du ciment, avec du sable, ils vont confectionner, ils vont fabriquer, tailler des images, ils vont s'allumer de voir. Ça dit, tu ne feras pas qu'ils taillent. C'est écrit, c'est le problème, c'est pour le commandement. Et bref, le 25 décembre, n'a rien à voir avec la naissance du Seigneur parce que Christ n'est pas né en hiver. Hein, la preuve, les bergers qui gardaient leur troupeau. Ça, c'est Chora. Il dit Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre puisque les bergers étaient sur la montagne. C'était en hiver.
les bergers ne gardent pas leur troupeau en hiver. Et je vais rejouer ça. N'a rien à voir avec la naissance du Seigneur, parce que Christ n'est pas né en hiver. Hein, la preuve, les bergers qui gardaient leur troupeau, selon Luc, dormaient dehors. Donc en hiver, on ne dort pas dehors. Et donc ça, c'est une invention purement démoniaque. C'est une fête à l'origine égyptienne. Et après, ils ont pris beaucoup des choses des égyptiennes. Juste pour votre information. Donc, la fête est d'origine égyptienne. L'autre avait dit que c'était une fête d'origine babylonienne. Donc, les gens inventent des histoires. Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre, puisqu'au mois de décembre, il fait très froid en Israël. C'est faux. Nous allons prendre même la température. La température d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, aujourd'hui, c'est le 23. On va prendre la température d'aujourd'hui. Vous allez voir. On a même pris la température de tout le mois. Vous allez voir que ce que ces gens racontent, les bergers ne sont pas à l'extérieur. Ce sont juste leurs imaginations. Et tout ça, ça vient des satanistes. C'était les athées qui n'aiment pas la naissance de Jésus. Alors, ils ont voulu voir comment est-ce qu'on peut décourager les chrétiens. Alors, ils étaient venus depuis très longtemps. Oh, Jésus-Christ n'était pas né. Jésus-Christ n'était pas né en hiver. Tout ça. Le problème, c'est qu'ils ne luttent pas contre Noël. Le problème, ce n'est pas Noël. Le problème, c'est qu'ils luttent contre Jésus. C'est ça le piège. Puisque la première personne à qui Dieu avait annoncé le message de Noël, Noël, ça veut dire naissance. Le mot Noël. No, puisqu'il y a des gens qui disent que le mot Noël n'est pas dans la Bible. Attention, Noël, ça veut dire tout simplement naissance. Je vais vous donner même l'origine du mot Noël. C'est que Normand, comme la Normandie en France. À cette époque, on parlait une langue qu'on appelait la langue d'oc et d'oil. Et c'est comme ça qu'on appelait la fête de Noël, naissance. Lorsqu'on dit natalis, dans d'autres langues, on dit natalis. Cela veut dire naître, naître en latin. Maintenant, à cette époque-là, on disait Noël pour dire naissance. Jusqu'à présent, il y a des pays qui appellent Noël. D'autres disent Christmas. Christmas. Donc, c'est fêter la Noël, donc fêter la naissance. Natalis. Il y a des pays où on dit on fête Natalis. Si vous partez par exemple au Portugal, en Espagne, en Italie, d'autres disent Navidad, Natalis. Donc, nativité. En français, on dit nativité. Ça veut dire la naissance. Maintenant, vous allez voir que lorsque Dieu avait annoncé la nouvelle, la première personne à qui Dieu avait envoyé la nouvelle de la naissance de Jésus, c'était le diable. Dieu avait dit au diable que la semence de la femme, il dit que tu lui... Ça, c'est dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3, verset 15. Dieu avait annoncé au diable la naissance de Jésus. Le premier message de Noël. C'est pour cela que le diable combat beaucoup vraiment ce message. Dieu avait dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Donc, vous voyez, le diable combat ça. On va commencer par ce monsieur qu'on appelle Ahmed Hidat. Vous allez voir ce qu'il a commencé à dire, les mensonges qu'il a dit sur la parole de Dieu. On va suivre ce que dit ce monsieur qu'on appelle Ahmed Hidat. Attendez, je vais jouer la vidéo de ce gars ici appelé Ahmed Hidat. Vous allez voir. We in Islam are made to believe through the lips of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, was one of the mightiest messengers of God. We believe in his miraculous birth, that without any male intervention he was born. We believe in his many miracles, including those of giving life to the dead by God's permission and of healing those born blind and the lepers by God's permission. We believe. But we are in conflict with regards to his birthday. I was questioned whether we commemorate Christmas. I said, look, we enjoy Christmas holidays. Christmas holiday we enjoy, but we don't commemorate Christmas. If we only knew the date of his birth, we would also celebrate his birthday. Like you said, Miladun Nabi. We'll have Miladul Masih. We'll have the birthday of Jesus. But when was he born? They tell us 25th of December. Donc, Ahmed Hidat,
est en train de raconter que en islam, ils croient aussi la naissance miraculeuse de Jésus, mais ils ne fêtent pas Christmas, ils ne fêtent pas Noël, puisqu'on les a dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre, eux ne croient pas, et il est en train de raconter beaucoup de mensonges, ce monsieur ici. Alors nous allons voir, le problème ce n'est pas seulement la date, eux ont toujours lutté contre Jésus. Maintenant, ils doivent rechercher quelque chose juste pour s'arc-bouter, essayer de contredire la Bible. Le problème des musulmans, ce n'est pas seulement la date. Eux, c'est se moquer de Jésus-Christ. Alors, il faut faire attention. Maintenant, tu trouveras que les raisons qu'ils donnent, il y a même des chrétiens qui donnent les mêmes raisons. Des raisons fallacieuses. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre puisque c'était en hiver. Et c'est ce qu'il va donner. Il va aussi donner cet exemple ici. Vous allez suivre. Il dit que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre puisque c'était en hiver. Écoutez, il dit que Jésus-Christ n'était pas né en hiver puisqu'il faisait froid. À cette époque-là, il n'y a pas de fruits. Les fruits des dattes, les palmiers ne produisent pas les palmiers dattiers puisque dans le Coran, on avait dit à la femme, à Marie, d'aller secouer l'arbre pour que ça puisse produire des dattiers. Alors, ce n'était pas en hiver, selon ce gars ici. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, il est en train de lutter contre la parole de Dieu. Ce n'est pas juste le 25. Alors, les chrétiens doivent faire attention lorsqu'ils sont en train de perpétrer des histoires comme ça, de dire, alors, nous sommes en train d'examiner, fêter la fête de Noël, oui ou non. On va tirer la conclusion. C'est un remix de la vidéo qu'on a joué la semaine passée, mais on avait un problème de son. C'est pour cela que nous sommes de retour pour essayer d'examiner, puisqu'on avait un grand problème, un souci de connexion la semaine passée. Nous sommes en train d'examiner ça petit à petit. Hein? Alors, on y va. Christmas Day, 25th of December. But he was not born on the 25th of December. Today, the Christians have come to realize, the learned men of Christendom, that he was not born on the 25th of December. This 25th of December is the date of the birth of the pagan sun gods. Il dit, 25 décembre, c'est la date du dieu païen qu'on appelait le dieu soleil. Bon, ce qu'il a dit ici, ce n'est pas nouveau. Les chrétiens, il y a des gens qui disent ça depuis très longtemps. C'était d'abord les athées qui voulaient combattre les chrétiens. Ils ont dit, oh yeah, c'était la naissance du dieu soleil. Or, c'est une fausse histoire, on va vérifier ça. Le dieu soleil, tout ça. C'était les gens qui combattaient les chrétiens qui voulaient juste salir. Alors, ils nous ont inventé que c'était la naissance du Dieu soleil. Et il y a même des chrétiens maintenant qui vont perpétrer, qui vont répandre le même mensonge que Didate est en train d'enseigner. Vous allez voir que c'est un menteur, ces messieurs ici. Nous sommes venus pour remettre la pendule à l'heure. C'est ce que nous faisons. Vous allez voir que les gens ont fait par méchanceté. Juste pour lutter contre Christmas, il dit tout ça. Not the son of God. Son of God in inverted commas. Not the son of God, but the sun god. You know what it means? You see, you people here, this is the northern hemisphere. I come from the south. This is the northern hemisphere. And as winter approaches, December, it gets colder and colder here for you people. And as December 20th, 21st, 22nd, 23rd, the primitive man, he could sense day by day, they can see the sun in the distance. Far away, it's going east to west, further and further away, and it's getting colder and colder. So they personify that the devil is eating up the sun. So they start beating drums and start offering prayers that the sun may not be swallowed up, because if it gets swallowed up, they'll be finished for good. 24th of December, the equinox. And now you see the 25th, those primitive people in the northern hemisphere, they could sense the variation in temperature day by day. 25th, they can see the sun coming back into its own. In other words, the sun has now come out supreme. It has not been, the devil didn't swallow up the sun. It's coming back. So that is the date of the birth of the sun god. Sun god, the sun has come back into its own. Those they celebrated Christmas, birth of, not Jesus Christ, the birth of the sun god, Baal, Horus, Apollo,
Maintenant, vous voyez ici, il est en train de mentir. Il dit que le 5 décembre, ce n'est pas non seulement la fête du dieu soleil, c'est la fête du dieu Baal, la fête du dieu Horus, la fête du dieu Apollos, la fête du dieu Mitra, de la divinité Mitra. Donc, il veut juste embrouiller. Alors, tous ces gens qui disent ça, ils veulent juste saboter les chrétiens. Puisqu'il y avait des gens, des chrétiens, depuis le 1er siècle, qui célébraient la fête de naissance de Jésus, le 25 décembre. Puisque lorsque Jésus était né, il y avait quand même des gens aux alentours. Il y avait des gens qui connaissaient. Il y avait des témoins oculaires. D'autres n'étaient même pas disciples de Jésus. D'autres étaient même des autorités. D'autres étaient juste les gens de l'entourage, de la connaissance de Jésus. Alors ces gens, ils ont su que Jésus était né le 25 décembre. Maintenant, c'était les Romains qui sont venus après. Ils ont hijack. Ils ont pris la date du 25 décembre pour essayer juste de mépriser les chrétiens. Hein? Maintenant, il y a même des chrétiens qui vont parler dans le même sens que tous ces gens ici. Hein? Nous allons essayer de remettre à la vérité, puisque le songe n'a que trop duré. Hein? C'est tout le monde qui ment. Voyez-vous? Alors, nous allons essayer de vérifier avec les Écritures, voyez-vous, pour voir où est la vérité. OK. Nous allons jouer la vidéo. On va continuer avec la vidéo. Là où nous nous sommes arrêtés. All these were the sun gods worshipped in the Mediterranean region, and their birthday was the 25th of December. So when the people became Christianized under Constantine, they accepted that birthday of the sun as the birth of the Son. So when the people became Christianized under Constantine, they accepted that birthday of the sun. Oui, il dit lorsque les gens se sont convertis à l'époque de l'empereur Constantin. C'est alors qu'on a choisi la fête de Noël, tout ça, à cause de l'empereur Constantin. Donc, vous allez voir quelque chose. Tous les menteurs qui veulent saboter le christianisme, ils accusent toujours Constantin de quelque chose. Ça, c'est, vous allez remarquer, tout le monde qui veut dire quelque chose de mal sur le christianisme, il dit Constantin avait fait ceci, Constantin avait fait cela, Constantin ceci. Tous sont des menteurs. Constantin n'avait rien à faire avec la fête de Noël. La fête de Noël était célébrée 400 ans avant la naissance de Constantin. Je veux dire au 1er siècle. Au 1er siècle. Donc avant l'an 100, les gens célébraient déjà la fête de Noël. Les gens qu'on appelle ceux de l'entourage de Jésus. Ils connaissaient que Jésus était né tel jour. Ils avaient leur manière de calculer, puisqu'on n'avait pas à cette époque le calendrier que nous avons maintenant, le calendrier grégorien. Alors, ils célébraient dans leur date du calendrier des Juifs. Maintenant, ce qui correspond maintenant à notre 25 décembre, on va prouver avec les Écritures. Il ne faut pas accuser Constantin, comme ce monsieur est en train de faire. Et beaucoup de gens font ça, malheureusement. Beaucoup de chrétiens essaient d'accuser toujours Constantin. Constantin avait fait ceci, Constantin avait fait cela. Dieu, mensonge, n'importe quoi il racontait. As the birth of the Son of God. In inverted commas. So it is not the birthday of Jesus. The Quran tells us very, very clearly that when Jesus was born, his mother Mary was told, he says, shake the palm leaf. Maintenant, ici, il va mentir. Il va faire mentir même son Coran. Il dit que lorsque Marie devrait donner naissance à Jésus, on avait dit à Marie, c'est couvert-toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Coran, sourate 19, verset 25. Et il va nous mentir que les dates ne mûrissent pas, puisqu'on a dit dates mûres, fraîches et mûres. Les dates ne mûrissent pas au mois de décembre. Ce n'était pas en hiver. Il va mentir. Et beaucoup de gens ne suivent pas ça, mais on va vérifier. On va vous donner la... Donc, quelle date? La date, le calendrier, quand est-ce que les dates mûrissent? Suivez avec nous, suivez. The leaf of the palm leaf, date palm.
And he let fall fresh ripe dates. Means the dates were ripe. Ready. You just shake it and the thing fall. And you can eat and refresh yourself with the rivulet, the small river running by. Refresh yourself. After the birth of the child, she stole that. So it was midsummer. If the Quran says that the dates were ripe, it means midsummer, not midwinter. Palestine is in the northern hemisphere. Your winter and their winter is the same. So you don't have winter in midsummer. Dates in midsummer. So it was midsummer. Then the Bible also says that when Jesus was born, the shepherds were. Donc, il a menti à ces gens qui sont assis ici que Palestine, c'est en hiver, il n'y a pas de dates mûres. On ne peut pas cueillir des dates, on ne peut pas manger des dates fraîches et mûres au mois de décembre puisque c'est en hiver. C'est ce qu'il a menti à ces gens ici. Ces gens qui ne connaissent rien, il les a menti. Hein? Voyez-vous, il les a menti puisque ce sont des gens qui ne connaissent rien, que c'était au mois d'été, pendant l'été. Il fait très froid là-bas. Le Coran dit que c'était des dates. Et puis à cette époque-là, en Palestine, il fait tellement froid. Il y a le climat hivernal, c'est en hiver, tout ça. C'est un mensonge. Et il va maintenant faire l'aventure. Il va même prendre l'exemple de la Bible, là où on dit que les bergers étaient en train de paître le troupeau. Et il va répéter le même mensonge que disent les athées et même certains chrétiens qui à court d'information qui disent par exemple que Jésus-Christ n'était pas né en hiver puisqu'il y avait des bergers en train de paître le troupeau. C'est faux. La Bible n'a pas dit ils étaient en train de paître le troupeau. On n'a pas dit ça. On dit ils passaient la nuit pour garder le troupeau. Suivez. Out in the field. Now the shepherd is a fool. If he with his sheep stays, the shepherds were out in the field. Now the shepherd is a fool. Jesus, winter in midsummer. Dates in midsummer. So it was midsummer. Then the Bible also says that when Jesus was born, the shepherds were out in the field. Now the shepherd is a fool. If he with his sheep stays out in open in Palestine. In midwinter, he will freeze to death and his sheep will freeze to death. So if you reason the Quran and the Bible, they both confirm that Jesus was not born on the 25th of December in midwinter. Okay. Maintenant, vous voyez, c'est un menteur. Il dit, ah, si vous raisonnez, donc Jésus-Christ ne pouvait pas naître en hiver, puisque il fait très froid là-bas, comme il y avait des bergers, les figues, tout ça. Ce sont des menteurs, tous ces gens ici. Hein? Vous allez voir. Maintenant, on va vérifier à la lumière des informations que nous avons. Vous allez voir que ce monsieur était un menteur. Le verset qu'il a donné d'abord, c'était la sourate ici, sourate 19, au verset 25, on a dit, c'est couvre-toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Et le monsieur dit que les dates ne mûrissent pas au mois de décembre. C'est un menteur. Là, nous avons le rapport des fermiers. Là, ce sont les rapports des fermiers que nous allons examiner. Harvesting date. Comment est-ce qu'ils font la récolte des dates? Les dates se récoltent en quel temps de l'année? Nous allons voir entre le mois de septembre et le mois de décembre. C'est alors qu'on fait les harvesting. C'est alors qu'il y a des dates mûres entre le mois de septembre et le mois de décembre. Le monsieur a menti. Là, ce sont des pages qui sont sur Internet pour les gens qui n'ont pas encore voyagé, par exemple, en Israël. Au mois de décembre. Donc, on dit les dates mûrissent entre septembre. Ça, c'est la première page des fermiers. Là, c'est le fermier. Il faut toujours le témoignage de deux ou trois. On va chercher un deuxième témoignage. Vous pouvez chercher ces informations. Vous pouvez trouver. Ce sont des fermiers. Ça, c'est Agri-Farming. Agri-Farming, c'est une autre page. Il nous montre la saison des dates.
Quand est-ce que ça mûrit? En quel mois? C'est pendant quel mois que les dattes mûrissent? On va nous donner. Vous pouvez chercher ça. Les dattes sont produites dans beaucoup de pays. Ça mûrit en quel mois? C'est pendant l'hiver ou bien c'est pendant l'été? Est-ce au mois de décembre? Au mois de décembre, est-ce possible qu'on puisse avoir? Nous sommes en train de chercher la date. Nous allons vous exposer. Vous allez voir que ce monsieur-là a profité de l'ignorance de son auditoire. Ahmed Hidat faisait ça. Zakir Naik fait la même chose. Il peut se retrouver devant un auditoire où il y a par exemple 10 000 personnes qui sont ignorants. Il va les mentir comme des enfants. Mais si nous, nous sommes là, il ne peut pas mentir. Voyez, aussi on nous donne la date. Les dates mûrissent entre le mois de septembre et décembre. C'est la date qu'on nous a donnée ici. Ça, c'est une autre page. Nous allons vérifier. Vous allez voir que ce monsieur-là les a pris, donc il s'est joué de ces gens-là. Les dates mûrissent entre le mois de septembre. La récolte, date ripen in 6 to 7 months. In 6 to 7 months and are harvested from September to December. Les dates mûrissent entre 6 et 7 mois. Ça prend 6 ou 7 mois pour mûrir. Et sont récoltées entre le mois de septembre et décembre. C'est alors qu'ils mûrissent. Ce sont des dates mûres. Comme vous voyez, ça c'est AgriFarming. Là c'est Wikipédia maintenant. Nous sommes dans Wikipédia. Vous allez voir, ça c'est une page de Wikipédia. On cherche donc les palmiers dattiers. Ça produit en quel mois? Nous allons vérifier. Puisque trop c'est trop, il y a trop de mensonges. Chacun raconte sa vie sur Internet. Et là, je corrige d'abord les musulmans. Et puis, j'ai corrigé les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Et on nous montre d'abord les pays. Il y a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les pays qui produisent les dattes. Hein? Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Ce sont des grands producteurs. Il y a l'Irak, il y a le Pakistan, il y a le Soudan, même ici chez nous en Afrique. Donc, ce sont les grands producteurs des dates. Voyez-vous? Maintenant, Wikipédia va nous donner quelle date. Il dit, les dates produisent, voyez là-bas, les dates produisent entre le mois, ça produit, date palm can produce 70 to 100 kilograms, 140. Donc, les harvest season, they do not all ripen at the same time, for several harvests are required. Les dates ne mûrissent pas au même moment. Ça peut prendre beaucoup de temps. Comme on a dit, ça peut prendre 6 ou 7 mois. Maintenant, Wikipédia nous montre que ça ne mûrit pas au même moment. Ça peut prendre beaucoup de temps. Plusieurs récoltes sont nécessaires pour les dates. Donc, le monsieur qui nous a dit ça, il s'est moqué des gens. OK. Nous allons maintenant voir quelque chose ici. Pour ces gens-là qui sont en train de mentir sur les Écritures, là, nous sommes en train de voir une Écriture. Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous en est un sauveur. C'est ça même le premier Christmas, le premier message de Noël, la première fête de Noël. C'était là-bas que ça avait commencé. Donc là, on a nettoyé les musulmans là, qui mentaient sur les dates. Puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas les dates, maintenant, on va voir les autres. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Attendez, je vais faire ça, je vais faire ceci. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? On a d'abord essayé de nettoyer les musulmans, puisqu'ils pouvaient mentir. Le Coran dit, il y avait des dates, tout ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas les dates, les palmiers dattiers, tout ça. Alors, on devrait d'abord nettoyer ça. Maintenant, on va attaquer maintenant les gens qui se réfugient dans la Bible. Comme le musulman a voulu tricher, que dans Luc au chapitre 2, on dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder le troupeau. Ils n'étaient pas en train de paître. Il y a des gens qui commettent des erreurs entre le verbe passer et puis paître. Ils passaient la nuit. Tous les bergers, dans chaque pays, ils gardent le troupeau la nuit. Chaque pays. Même ici en Afrique, partout, tu ne peux pas garder le troupeau et le laisser la nuit. Il y a des chiens qui attaquent.
À cette époque, il y avait même des lions, il y a des loups, il y a des renards, il y a même des serpents qui peuvent attaquer la nuit. Mais les bergers doivent être là pour garder le troupeau toute la nuit. C'est ce qu'ils font. Donc les gens qui nous ont dit ces astuces-là, ce sont des menteurs. Hein. Voyez-vous? Et là, nous avons... Là, on va faire ceci. Je suis en train de voir. Puisque là, c'est 1 Samuel 14, 30. On va revenir là. On va revenir là. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vous allez voir. On va voir quelque chose rapidement. Là, c'est la température du mois de décembre. À Bethléem. Ça, c'est la température de Bethléem. 17 degrés. 17 degrés, il n'y a pas de neige. Les gens qui nous disent que... Ce sont des gens qui... Prenez votre téléphone. Hein, googlez tout simplement la température de Bethléem. Aujourd'hui, c'est le 23. Essayez de cliquer. On va vous donner la température de tout le mois. Les gens qui vous disent qu'il faisait hiver en Israël, les bergers ne pouvaient pas être sur la montagne, ce sont des menteurs. La Bible n'a pas dit qu'il y avait la neige. Ils ont ajouté, même lorsqu'il y a la neige, les bergers doivent toujours être là, en train de garder leur troupeau. Il fait 17 degrés. Écoutez, la température peut changer. Ça, on a pris ça avant. Maintenant, je vais vous montrer la température de tout le mois, même la température jusque le 31 décembre. On va vous montrer la température. On avait pris la température. Vous voyez, là, on vous donne la température des villes avoisinantes. Il y a Hébron, il y a Jéricho. Jéricho, il fait 21 degrés. Ça, c'est la température du jour, au mois de décembre. Donc il ne fait pas froid comme on nous dit. Ces gens qui nous disent ça, ils ont fait ça, c'est juste pour essayer de combattre. Ça, c'est la température de tout le mois de décembre. C'est la température sur AccuWeather. AccuWeather, ça te donne la température de tout le mois. Vous voyez la température de tout le mois, voyez-vous. Attendez, je vais vérifier. Quelque chose. Le 25, il fera quelle température? Nous allons voir. Nous allons voir. Ici. Le 25 est là. Le 25 est là. Il fera 14 degrés. Voyez-vous? Il y aura même un peu de soleil. Il y aura soleil. Il fera 14 degrés et 8 degrés. Le 25, c'est ça la température, il n'y a pas de neige. À 14 degrés, il n'y a pas de neige. Donc les gens qui nous disent qu'il y a hiver en Israël, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui ne vérifient pas ça. Et les gens qui ont dit ça, c'était les athées qui combattaient Jésus-Christ. Maintenant, les gens ont pris ça, ils ont commencé à vociférer, à enseigner ça. Même dans des églises, tu trouves un pasteur, là on l'appelle, c'est pasteur docteur, PhD, il dit, il y avait des neiges. Il n'y a pas de neige, c'est 14 degrés. Ça, c'est la température de tout le mois, de Bethléem, West Bank. C'est la température qui est là. Vous pouvez vérifier même avec votre téléphone, il n'y a pas de neige. Même à l'époque de Jésus, la Bible n'a pas dit qu'il y avait des neiges. Même, admettons qu'il y avait même des neiges. Mais les bergers sont toujours là. Ça, c'est la température, vous voyez. Ça, c'est la température de Bethléem. On te montre la température de ce mois de décembre, vendredi, samedi. La température navigue entre 17 degrés, 16 degrés, 7 degrés, c'est le 6 degrés. Entre 17, ce n'est pas il n'y a pas de neige. Même s'il y a de neige, comme à Helsinki, ou bien à Oslo, à Stockholm, ces capitales, même à Paris, il fait très froid. Là, c'est la température, vous voyez. C'est la température de Bethléem que nous avons prise. On a vu que non, il n'y a pas de neige, comme les gens étaient en train de nous dire, dont les gens nous mentaient. On va voir. 1 Samuel chapitre 14, verset 30. Attendez. Non, je vais vous donner une écriture là. Nous sommes dans le livre, on va dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous allons voir qu'est-ce que les gens font lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il fait froid. Et on va prendre l'histoire de Jacob. Jacob était parti en Syrie, chez son oncle l'Araméen qu'on appelait Laban. Là, il fait encore plus froid que même en Israël. Écoutez ce qu'il dit.
Genèse au chapitre 31. Lorsque Jacob est en train de parler à son beau-père, Laban, comment est-ce qu'il a travaillé? Il dit ceci. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je ne point mangé le bélier de ton troupeau. Je ne t'ai point apporté des bêtes déchirées. Et c'est pour cela qu'on gardait le troupeau. Si tu ne gardes pas le troupeau, on va déchirer tes bêtes par des bêtes sauvages. On va déchirer ton troupeau par des lions, des loups, tout ça. Et maintenant, Jacob dit que j'ai travaillé toute la nuit, toute l'année. J'ai travaillé pour toi, Laban. Je ne t'ai point fait du mal. Donc, Jacob travaillait. Vous allez voir que ces gens qui disent, il dit ceci, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Il y avait même des voleurs la nuit. Donc, un berger, son travail, c'est de garder le troupeau, même la nuit. Ils peuvent même faire un tour, une équipe. Il y a des gens qui dorment, il y a d'autres qui veillent, tout ça. Ils font des équipes. La nuit, même la nuit, lorsqu'il fait la nuit, lorsqu'il y a la nuit, lorsqu'il fait froid, qu'il fasse chaud ou froid, eux travaillent, même lorsque... Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes années de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Il a fait 20 ans. Donc, j'ai été servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton troupeau. Donc, il a travaillé, mais il a dit, il a fait 20 ans. Même lorsqu'il y avait la neige, qu'il fasse froid ou chaud, eux travaillent. Maintenant, les gens qui disent que les bergers ne travaillent pas en hiver ou bien ils ne gardent pas le troupeau, ce sont des menteurs. Écoutez, là, c'est la neige. Hein? Là, ce n'est même pas en Israël. Là, c'est en Europe. On a juste pris, voyez les bergers qui gardent leur troupeau pendant qu'il y a la neige. Et lorsqu'il fait, il y a de la neige, les bergers, eux sortent. Puisque les moutons, ils aiment le froid. À cause de la laine qu'ils ont, ils ne sentent même pas ce froid-là. Ils doivent aller respirer l'air frais. Sinon, ils vont mourir si tu les enfermes quelque part. La température, il faut une bonne température. Même lorsqu'il fait froid, les gens qui nous disent qu'il n'y avait pas... Non, ils mentent. Ils veulent juste discréditer la venue du Sauveur sur la terre. Les bergers sont là sur la montagne. Là, c'est en Europe, ce n'est même pas en Israël. On a pris des photos, puisqu'on a cherché des photos de Jérusalem lorsqu'il y a la neige. À Bethléem, lorsqu'il y a la neige, on n'en trouve pas. Ce n'est pas facile, puisqu'il n'y a pas tellement de neige. C'est une température un peu méditerranéenne. Il fait un peu chaud. Voyez-vous? Donc, les gens qui vous disent qu'il faisait froid, il fait froid là-bas, tout ça, ce sont juste des figments of their imagination. Donc, c'est le figment de leur imagination qui nous donne. La température est là, c'est 17 degrés. Et c'est la température d'aujourd'hui. La température change. Il y a des gens qui peuvent dire, oh, réchauffement climatique, tout ça. Oui, on peut dire tout ça. Mais n'ajoutez pas à la Bible qu'il faisait froid ces jours-là. C'est faux. Non, ça, il ne faut pas ajouter à la Bible. Même s'il faisait froid. Mais on dit les bergers gardaient. C'est pour la sécurité. Pour qu'il n'y ait pas même des voleurs. Il y a même des voleurs qui viennent voler les troupeaux. Ah. Donc, c'est ce que faisaient les bergers. Jacob, ici, il témoigne qu'il travaillait la nuit comme le jour. Le froid, qui est froid ou bien qui fasse chaud ou froid, lui travaillait. C'est Jacob. Genèse 31, verset 40. Donc, les gens qui nous ont dit ça, nous ont menti. On va prendre un autre exemple. Ça, c'est l'exemple de David, 1 Samuel 17. David dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait l'enlever du troupeau, je courais. Après lui, je le frappais. Donc, c'est ça le rôle du berger. Le loup, un lion, un ours peut attaquer le troupeau le jour comme la nuit. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du même du Philistin de cet incirconcis. Voyez-vous? Donc, c'est ça le berger. Comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.
Ne tombez pas dans le piège de ces satanistes-là qui luttent contre Jésus. Il y avait des bergers, ils ne gardent pas le troupeau pendant les jours, blablabla. Mais les brebis sont toujours là. Les brebis sont toujours là. Il était comme hiver. Maintenant, ces gens-là qui gardent le troupeau, la nuit, ils sont toujours là toute l'année. Ne tombez pas dans ce piège-là. Les gens qui veulent lutter contre, donc, avec des supputations malveillantes, tout ça, c'est pas bien. Hein? Nous tous, on luttait contre la fête de Noël. Écoutez, je vais vous jouer cette vidéo ici, de ce frère ici. Vous allez voir comment est-ce que c'est ce qu'il a dit. Hein? C'est vraiment... Hein, puisque nous sommes là pour nous aider. C'est un bon frère, hein? Un bon frère. Mais écoutez, comment est-ce que... Est-ce que la fête de Noël est un biblique? Okay. La fête de Noël... Pardon, c'est un conte qui a vraiment ses racines. Est-ce que la fête de Noël est biblique? La fête de Noël, pardon, c'est un concept. Si on prend Noël, si on va directement tout droit au Bible, on dira que non, Noël n'est pas dans la Bible. Comment vous pouvez définir où ça vient, l'origine, voilà, de la fête de Noël? Nous devons maintenant prendre les concepts, parce que si les mots n'est pas biblique, comme la Bible n'est même pas dans la Bible. Donc, il n'y a pas la Bible. La Bible est dans la Bible, il n'y a pas. Ça, c'est fort. On n'a jamais dit, lisez la Bible. Il dit, lisez la parole. Donc, le concept de la Bible, c'est l'ensemble des livres. Donc, vous voyez, ça, c'est un frère, il dit que la fête de Noël n'est pas dans la Bible, tout comme le mot Bible n'est pas dans la Bible. Donc, il y a des gens qui raisonnent comme ça, par absurde. Heureusement par l'absurde ou bien par absurdité. Mais vous allez voir que j'ai pris cet exemple pour vous montrer que les gens doivent lire. Ah. Puis tu peux rechercher Bible dans ton livre, là, la version de la Bible, peut-être en français. Tu ne trouves pas ça. Mais cherche même en grec, puisque le mot Bible est dans la Bible. Et nous allons montrer ça. Même les gens qui cherchent le mot Noël, ils ne trouvent pas ça. Mais essayez de regarder dans d'autres langues. Vous allez voir que le mot Bible, le mot Noël, ça se trouve dans la Bible. Hein? Mais ne tombez pas dans le piège des satanistes qui se moquent de la parole de Dieu. Voyez-vous, il ne faut pas tomber. Alors nous allons vérifier le mot Bible. Le mot Bible se trouve bel et bien dans la Bible. Nous allons voir. Ça, c'est dans Marc au chapitre 12, versets 26 à 28. Hein? Dans une, écoutez, la version de la Bible, le message. Là, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il parlait de la résurrection des morts, à la résurrection des morts, lorsque Jésus dit, vous êtes loin du but, et pourquoi? Premièrement, vous ne savez pas ce que Dieu a dit. Deuxièmement, vous ne savez pas comment Dieu agit. Une fois les morts ressuscités, ça, c'est Jésus qui parle. Nous avons dépassé l'affaire du mariage, comme c'est le cas actuellement avec les anges. C'est Jésus qui parle. C'est dans la Bible. C'est Jésus qui parle dans la Bible. Il dit, et concernant les morts, qu'ils soient ressuscités ou morts, ne lisez-vous jamais la Bible? Comment Dieu? Ne lisez-vous jamais la Bible? C'est Jésus qui prononce la Bible, le mot Bible dans la Bible. Comment Dieu, dans le buisson ardent, a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants. Dieu est un Dieu des vivants et pas un Dieu des morts. Ça, c'est la version. Le message, Marc chapitre 12, 24 à 27. Si tu lis dans Louis II, ou bien Darby, ou bien Taube, on a expliqué ça d'une autre manière. Donc, on a mis ça dans un autre français. Il y a même la Bible en français courant. Mais le mot Bible se trouve dans la Bible, version Bible, le message, Marc au chapitre 12. Et on va vérifier même le grec. Si vous ne trouvez pas ça en français, allez même dans le grec, dans l'araméen. La Bible est venue chez nous en araméen, en hébreu. Le premier livre, écoutez, Marc chapitre 12, verset 26, vous voyez le mot Bible est là. Ça, c'est la version en grec. Il y a le mot Bible dans la Bible. Voyez-vous, Marc chapitre 12. Le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu lui-même, il avait écrit sa Bible, donc son évangile, c'était en hébreu. On a écrit en hébreu.
Et puis, on a interprété ça, on a mis ça en grec. Et puis, les Araméens aussi ont écrit. Matthieu chapitre 1, verset 1. Ça commence avec le mot Bible. C'est en grec déjà. Bible. Les Hébreux, ils appellent Bible Sefer. Sefer. Donc, lorsque nous lisons le mot Bible, ça vient de la Bible. Hein? Même l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, Jean au chapitre 21, verset 25. Jean 21, c'est le dernier livre, le dernier verset de l'évangile. Donc, Matthieu 1, 1 et Jean 21, 25, le premier verset et le dernier verset des évangiles, de l'évangile, c'est, il y a le mot Bible. Donc, les gens doivent se documenter. On va parler, là c'est le calendrier, on va revenir à ce calendrier ici, pour déterminer la date du 25. Comment est-ce que les gens sont parvenus à trouver la date du 25, que Jésus-Christ était né le 25? Là, c'est le calendrier des sacrificateurs. Comment est-ce qu'ils entraient? On va arriver là. On va arriver là. Nous allons voir l'origine du mot Noël. Noël, ça vient d'où? Est-ce biblique? Noël, ça vient de l'origine anglo-normande. French, anglo-norman French. C'est la langue qu'on parlait avant, en Normandie, en France. Normandie, c'est en France. Vous souvenez l'histoire des débarquements, tout ça. Donc, en latin, on disait Natalis. Mais les anglo-norman French people, ils disaient Noël. Cela veut dire la naissance. C'est un ancien français. Un ancien français qui se parlait en Normandie. Normandie, il y a même des langues jusqu'à présent, donc qu'on parle en Norvège, en Finlande, en Suède, des langues qui viennent de la Normandie, de l'anglo-normande. C'est dans ces langues-là qu'on disait Noël pour dire la naissance. C'est de là que c'est venu. Hein. Donc c'est d'origine anglo-normande, natalis en latin. C'est de là que vient le mot Noël. En anglais, on appelle ça Christmas. Donc, les gens doivent s'informer. Donc, Noël, c'est du point de vue. Lorsqu'on dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Le mot la naissance, né, en latin, c'est natus. Natus, il vous est né un sauveur. Naître, c'est ce qu'on dit en latin, le natus. Voyez-vous? Le mot, ça c'est en latin, la Bible vulgate. Qui natus? Natus est vobis, odies salvator. Donc, natus, c'est la nativité, ou bien le mot qu'on appelle natalité, ou bien natalis. Et en anglo-norman, l'ancien français qu'on parlait à cette époque-là, on disait Noël. C'est de là que c'est venu en anglo-norman. Voyez-vous? Donc, il y a la langue qu'on parlait à cette époque-là, l'ancien français. On appelait ça la langue de Oil. On va voir ça. Vous voyez, il y a le Norse Viking, les Vikings, les peuples qu'on appelait les Vikings, les Francs, les Germains, les anciens peuples, les anciens royaumes. Hein? Vous voyez, l'ancien Norman, les gens de la Normandie, ils parlaient la langue qu'on appelait la langue d'Oyle. Ce sont des anciennes langues. Ces gens-là qui prononçaient le mot Noël pour vous dire la naissance. À cette époque-là, il y a au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge, ces gens, c'est comme ça qu'ils parlaient. Et c'est de là qu'on a tiré même le mot. Entre 911 et 1050, c'est au 10e siècle. Ces gens-là parlaient cette langue-là. C'est de là qu'est venu même le mot naissance, Noël. Hein? Donc, les gens doivent se documenter. Ces langues-là, on parle ça en Normandie, on parlait ça. En Normandie, ça, chez les Danois. Hein? Vous voyez, tous ces pays-là que nous sommes en train de parler. Des fois, ils utilisent ce terme-là. Voyez-vous, c'est de là que cela est venu. Hein? Et pendant ce temps-là, je vais essayer d'abord d'entendre le son, de vérifier le son pour voir comment est-ce que ça sort. Donc,
Vous voyez, les gens s'opposent aux choses qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, nous allons partir dans la Bible. Est-ce nécessaire de célébrer Christmas? Est-ce nécessaire de faire tout ça? Pourquoi est-ce que nous faisons tout ça? Nous allons vérifier. Hein? Puisque le diable est très fâché contre l'Église. Ah, là, j'étais en train d'essayer le son. Ici, on va voir comment est-ce qu'on dit Christmas, Noël, la naissance, dans d'autres langues européennes et d'autres pays avoisinant l'Europe. Hein? Et d'autres pays. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils appellent Noël. D'autres disent Fiat ou bien Yule. Jules ou bien Yule. Hein? Vous voyez, en latin, on dit Natalem. Il y a d'autres peuples qui disent Yule, Suad. C'est comme ça qu'ils appellent Noël. Vous voyez? Attendez, j'ai vu quelque chose ici rapidement. J'ai vu quelque chose. Vous voyez, les Irlandais, ils disent Nolaig, le dernier là. Nolaig. C'est comme ça qu'eux prononcent ça. On ne peut pas les blâmer. C'est comme ça qu'eux prononcent. Les Norvégiens disent God, Yule. C'est leur manière de dire Joyeux Noël. Voyez-vous? Ça, c'est les Irlandais. Ils disent Nolaig. Nolaig Shona. Noël. C'est leur manière de prononcer. Voyez, ce sont des langues de ce côté-là. Hein? C'est comme ça qu'eux prononcent. Alors, il faut toujours. Vous voyez, comme dans l'île des Man. C'est tout près de l'Angleterre. Ils disent Nolik. Nolik Renal. Nolik. Donc, c'est leur manière de dire Noël. Donc, ça se dit de plusieurs langues. Ça veut tout simplement dire la naissance. Maintenant, lorsque Jésus est né, devons-nous célébrer? Puisque la Bible nous montre que les anges avaient célébré. En turc, on dit Noëler. Mutlu Noëler. Vous voyez ça dans la langue turque. Noëler. C'est comme ça qu'ils prononcent. Donc, bonne naissance, bonne nativité. Donc, il n'y a pas de mal. On célèbre la nativité. Puisque la Bible nous dit, on doit célébrer les hauts faits. Donc, la naissance de Jésus, c'est un haut fait. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Voyez-vous. Donc, ça se dit dans beaucoup de langues. Dans beaucoup de langues, Noëli, Nziza. Là, c'est en Kinyarwanda, tout près de chez moi. Mes voisins, mes bien-aimés, de voyez. Donc, il faut toujours exploiter nos flics. Hein? Ça, c'est en Néerlande. Hein? Nos flics, hein? une langue, une des langues qu'on parle de ce côté-là. Il y a plusieurs langues. Donc, on veut vous montrer tout simplement que le mot Noël veut dire naissance, la nativité. Merry Christmas en anglais. Voyez-vous? Donc, les gens qui disent que ce n'est pas Bible tout ça, non, ils doivent faire des recherches. Même dans d'autres langues. Dans d'autres langues, on dit Noël. Noël. C'est, dans l'ancien français, on disait Noël. Hein? Donc, les gens, ils ont tout fait pour lutter contre la naissance de Jésus. Puisque le diable, on lui avait dit que la semence de la femme là, va t'écraser. La semence va t'écraser la tête. Et le diable a voulu tuer Jésus. Puisque lui attendait le Christ. Lorsque le Christ est né, le monde entier était en ébullition. Même Allah s'était réjoui. Je vais vous montrer le verset. Il vous est né un sauveur. Lorsqu'un sauveur est né, tout le monde avait tremblé. L'enfer avait tremblé ce jour-là. Alors c'est ainsi que le diable, il vient là-bas. Oh, Jésus n'est pas né puisqu'il faisait hiver. Il faisait très froid. Et les chrétiens prennent ça. Oh, c'est la fête du Dieu soleil. C'est faux. À cette époque, on ne connaissait pas le Dieu soleil. Les Romains sont venus après. La Bible dit, ils célébreront les voies de l'Éternel. Nous célébrons la naissance de Jésus, car la gloire de l'Éternel est grande. On célèbre la naissance de Jésus. Ce sont les voies de l'Éternel. On célèbre. On doit célébrer non seulement la naissance de Jésus, on célèbre toute la vie de Jésus. Tout. La Bible dit célébrer les hauts faits. Chaque verset de la Bible, on doit célébrer. Si on veut, si on en a les moyens, quand on veut, que chaque génération célèbre tes œuvres.
les œuvres que Dieu fait. On doit célébrer. On doit publier les hauts faits. Donc, lorsque Jésus-Christ est né, c'est un haut fait. On doit publier. Les diables n'aiment pas ça. Ils viennent, oh, la fête du Dieu Soleil, la fête de Saturnalis, il vous est un sauveur. On doit publier. Luc 2, 11. On doit publier. C'est un haut fait. On doit publier. Donc, la plus belle nouvelle du sauveur. Comme on avait dit, il va écraser la tête du serpent. Genèse 3, 15. Le diable a tout fait pour combattre ce message ici. Le musulman même se moque de ça. Il commence même à jouer. Hein? On dit, les bergers étaient dans la gamme. Et voici un ange du Seigneur leur apparaît et la gloire du Seigneur. Il dit, il fut saisi d'une grande frayeur. Luc 2, verset 10. Ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. On se réjouit. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est Dieu, il est Jéhovah, il est Adonai. Le Christ, là, c'est Adonai, le Seigneur. Les gens ont dit ça. Maintenant, les gens ont commencé à se réjouir. Maintenant, lorsque nous voyons ça, on ne doit pas se réjouir. Psaume 145, 4, on dit, publiez les hauts faits. On doit publier. À la naissance de Jésus, on publie ce que Dieu avait fait. Mais on publie ça, on fait connaître ça à la génération suivante, ce qui s'était passé, comment est-ce que Esaïe avait prophétisé. Esaïe chapitre 9, il avait dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la demeure reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc cet enfant-là, il est conseiller, en même temps il est Dieu, il est Père. Donc vous voulez qu'on puisse se taire. Avec des versets comme ça. Lorsque nous voyons ça, nous nous réjouissons. Les diables disent, ah non, c'est la fête du Dieu Soleil. Non, le problème, il ne lutte pas contre le Dieu Soleil. Il veut juste lutter contre Jésus. C'est une technique, une stratégie. Ce sont les tactiques du diable. Et les chrétiens mal avertis, ils vont aussi dire, la fête du Dieu Soleil. Un autre dit, la fête des Mitra, la fête des Nimrod, ou la fête des... Si un autre dit, fête des Saturnalis, ce sont des menteurs. On ne fêtait pas la fête du Dieu Soleil, ce n'est écrit nulle part. Les chrétiens n'ont jamais entendu ça. C'était Esaïe 7, 14. On dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le miracle, la jeune fille. L'autre comédien me disait, on n'a pas dit la vierge, on a dit la jeune fille. Non, ce sont des comédiens. La jeune fille ici, c'est ce qu'on nous dit maintenant, elle était vierge dans Matthieu. Même le Coran a recopié ça, il dit que la vierge a enfanté. C'est la même promesse, puisque c'était ça, ce qu'on avait dit dans Genèse 3, 15, la semence de la femme. Donc la jeune fille, on n'a pas dit la jeune fille avec son mari. Non. Si on l'a touchée par quelqu'un, comme un comédien me disait, la femme du roi Akaz, c'est un comédien. Là, ce n'est plus la semence de la femme, c'est la semence d'Akaz. Mais si on a dit la jeune fille devient, elle est seule ici. On ne l'a pas associée, elle est toute seule. Voyez-vous, on dit la jeune fille deviendra. Elle deviendra enceinte. C'est ce que dit l'Écriture. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. On n'a pas dit que c'est la jeune femme avec son mari, tout ça. Non. Ça, ce sont des comédiens. Genèse 3,15 avait dit, Genèse 3, 15 avait bel et bien dit que. Attendez, j'essaie le son. Genèse 15, 3, 15, on dit que je mettrai limiterai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera le talon. Luc 2, on dit cette écriture-là s'est accomplie et vous êtes un sauveur. Donc, la seule femme qui a enfanté sans le secours d'aucune main, d'aucun homme, c'est Marie. Ça sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Luc 2, 10, on doit se réjouir. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Lorsque nous nous souvenons de la naissance de Jésus, nous n'avons pas d'autre choix que de nous réjouir. On peut danser, on peut manger, on peut tout faire. Puisqu'on se sert, on célèbre. On peut même jeûner si on veut. Hein? Le problème, c'est la date.
Les orthodoxes, ils fêtent ça le 6 janvier. C'est leur manière de célébrer aussi la date de Jésus. On peut célébrer ça n'importe quel jour. Bon, c'est célébrer. On doit publier les hauts faits de l'Éternel. Psaume 145, verset 4. Ne tombez pas dans le piège des satanistes, des gens qui aiment mépriser Jésus. Nous nous réjouissons de la naissance de Jésus et de tout ce que Jésus avait fait, puisque ce sont des hauts faits. Même lorsque Jésus a distribué le pain, lorsqu'il avait changé l'eau en vin, ce sont des hauts faits. La résurrection de Lazare, tout ce que Jésus avait fait, c'était des hauts faits. On doit publier. On peut consacrer ça, c'est le jour de ça. Le jour de ça, 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 ça. On peut faire ça. Il n'y a pas de mal. On peut publier ça. Donc, les gens qui célèbrent, ils ne font pas mal. On doit célébrer. Mais en voulant lutter contre les fausses doctrines, souvent, on va tout rejeter. Hein? Ne faites pas ça, puisque vous voulez lutter contre telle église et vous rejetez même ce qui est vraiment précieux. C'est ce que les gens font par erreur. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Voyez-vous, on doit publier les hauts faits de l'Éternel. C'est ce que nous faisons. Il ne faut pas tomber. Oh, il faisait très froid en Israël. Écoutez, même Allah s'est réjoui dans le Coran. La sourate Maryam, on dit, verset 33, « Que la paix soit sur moi le jour où j'ai naqui, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. » Ça, c'est Allah qui parle. Là, c'est Allah qui parle. Il met les paroles dans la bouche de Jésus, de Issa. Le jour où je suis né, c'est un grand jour de paix. Donc, Allah est en train de célébrer la naissance ici de Jésus. Il célèbre Christmas ici. On va voir un autre verset. La sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 91, on dit « Esther, la Vierge qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et nous fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe pour l'univers, un miracle pour l'univers. » Donc Jésus, là, sa naissance, ça concerne l'univers. C'est la seule personne qui est née pour l'univers. La seule personne qui est venue pour l'univers, c'est Jésus, même dans le Coran. Sa naissance, c'est un... Donc, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. La sourate 3, verset 45, vous allez voir, on nous dit ceci, good tidings. On va mettre ça, vous allez voir, la sourate 3, verset 45, on nous dit que lorsque Jésus était né, c'était une bonne nouvelle. Rappelez-vous, attendez, on va souligner ça, rappelez-vous, ô Mariam, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui, dont le nom c'est Al-Masih. Donc la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Même dans le Coran, Allah se réjouit, Allah danse. Jibril, tous les djinns dansent. Lorsque Allah a prononcé ces mots ici, à l'honneur de Jésus. Donc la naissance de Jésus a été attendue par tout le monde. Hein? Et là, c'est une écriture qu'on avait vue dans... Psaume 138, verset 5, ils célébreront les voies de l'Éternel. On célèbre, puisque Dieu fait des miracles. La naissance de Jésus, c'est un grand miracle. Lorsque nous lisons, nous célébrons toutes les paroles de Dieu. Non seulement la naissance, tout ce qui est écrit dans la Bible, nous célébrons. On appelle ça les hauts faits de l'Éternel. Hein? Là, nous allons voir une autre écriture. Nous sommes dans Psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple, c'est haut fait. La naissance de Jésus, c'est un haut fait. On doit faire connaître ça. Ce n'est pas un fait bénin. On doit faire connaître ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah, ok, attendez, je vais vous jouer la vidéo de ce gars ici. De ce gars ici qu'on appelle Paul Mukendi, qui s'embrouille. Ce sont de faux ministres, tous ces gens ici. Des gens qui s'embrouillent facilement, qui enseignent des fausses doctrines. Vous allez voir ce que le monsieur ici, Paul Mukendi, est parti enseigner dans son église. Toute personne qui reste. Vous allez voir, il est en train de dire des histoires là. À quelle minute ici? Nous allons voir Paul Mukendi. Écoutez ce qu'il va dire ici. Ça, c'est Mukendi ou Paul Mukendi. Croit en certaines affaires, ils te disent nous dans notre famille on ne fait pas ça. Si tu fais ça et tu vas voir que les esprits là vont venir te faire la guerre. Maintenant, le diable malin qu'il est,
il nous a introduit d'abord la Noël. Comme si on ne réfléchissait pas, on nous dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Or, quand tu lis la Bible, Jésus, 25 décembre, c'est l'hiver, mais les bergers sont dehors. Bon. Comment les bergers en Israël pouvaient-ils être dehors en hiver? Sixième mois, l'ange est allé vers Marie. Alors, le 25 décembre, c'est une fête païenne qu'on a introduite dans l'Église. Et vous allez voir aujourd'hui, d'ailleurs, elle est beaucoup plus commerciale que toute autre chose. Je ne veux pas que toi... Oh, ok, vous voyez, le gars ici, lui aussi dit que c'est une fête païenne qu'on a introduite dans l'Église, tout ça. Ça, c'est Paul Mukendi qui dit ça. Donc, ce sont des gens comme ça qui tombent dans les pièges des satanistes. C'est une fête païenne, tout ça, qu'on a introduit dans l'Église, tout ça. Ce sont des menteurs. Il est en train de mentir. Ce n'est pas une fête païenne. Il ne faut pas tomber dans les pièges des satanistes qui veulent lutter contre la naissance de Jésus. Ils commencent à nous faire gober les histoires. Et attendez, il y a quelque chose ici que je dois jouer. À Noël, tu te retrouves, le temps que tu as ton congé, tu te retrouves en famille assis et tu manges, je ne sais pas quoi. Pour comprendre d'abord qu'une fête n'est pas de Dieu, même si on l'introduit dans l'Église, regarde les coutumes qui l'accompagnent. Vous comprenez? Les coutumes qui l'accompagnent, c'est la dinde qui est là-bas, c'est ça, hein? La dinde, les cadeaux, les affaires. Ce sont des choses qu'on pratiquait de l'autre côté à Babylone. Est-ce qu'on peut me lire mon verset que je vous ai donné de Jérémie? Jérémie chapitre 52, le verset 31. Jérémie 52, le verset 31. On va lire le verset. Je sais que là où tu es, peut-être que tu affectionnes tellement Noël. Tu es là, oh, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Noël, moi c'est Noël. Non, je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un ou bien je ne parle pas de ça pour te déranger ou t'embêter. Non, Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne de Babylone. Je vous dis la vérité. Mais des fois, pour prêcher l'évangile comme je prêche, il faut avoir beaucoup de courage. Hein. Oui, parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, bon, tu laisses les gens comme ça. Non, je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. C'est pourquoi je ne condamne pas celui qui est chez lui à la maison à Noël. Il fait sa nourriture, il est en famille, il est assis. Regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez les fêtes, par exemple, qu'on organise dans des pays qui se disent chrétiens. Vous pouvez trouver cela au Canada ou bien aux États-Unis. On parle de l'action des grâces. Combien de gens ici qui rendent grâce à Dieu lors de l'action des grâces? Ce sont des fêtes importantes où dans une nation, on dit que c'est une journée où on rendra grâce à Dieu. Non, mais vous trouvez des gens accrochés à des histoires. Je pense que l'action des grâces peut rendre vraiment Dieu content. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda. Et puis regardez très bien quand Noël se passe, on commence d'abord à célébrer, il y a des messes qui se passent la nuit. Si je descends en profondeur avec ça. Donc vous voyez, il donne maintenant ses théories, il prend juste une phrase de la Bible, là on dit que la 37e année... du roi Joachim, tout ça dans Jérémie, le verset qu'il a donné, le 25e jour du mois, 12e mois. Donc, il lit ça directement à Jésus. Ça, c'est des interprétations particulières. Oh, Jésus-Christ, il faisait hiver là-bas, il ne pouvait pas naître en décembre, tout ça. Ce sont des supputations malveillantes. Hein. Donc, il doit donner. Et puis, il a dit que c'est d'origine babylonienne. L'autre a dit d'origine égyptienne. Ce sont des gens qui sont tombés dans... ce sont des gens qui sont tombés dans les mains des satanistes. Dans les mains des gens qu'on appelle... comment est-ce qu'on les appelle? Les athées. Ils luttent contre la cause de Jésus. Alors, ils vont nous mentir. Oh, c'était la fête de Saturne,
c'était la fête de Jupiter, c'était la fête de Vénus, c'était la fête du dieu soleil, puisqu'à cette époque-là, et on va suivre même ce monsieur a parlé des fêtes de Saturnalis, mais vous, attendez, je vais vous jouer deux parties, hein. Il y a deux parties, je vais vous jouer, là où il parle de la fête des Saturnalis, que Jésus-Christ, lorsqu'il était né, dans la fête qu'on parle de la fête des Saturnalis, vous allez voir. C'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, considéré comme le premier antichrist. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Des fêtes de divertissement et d'échange de cadeaux. Ces Saturnales étaient considérées comme joyeuses, car elles étaient pratiquées dans l'ivronnerie et la débauche. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible. Lui aussi le blâme Constantin. Constantin, tout le monde... Fraîchement créé par l'empereur, décoré de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible avec celles occultes de son empire, et il a adopté et adapté cette fête païenne. Cela s'appelle le syncrétisme. On m'a demandé des faits. Ce que je viens vous dire sont des faits. Voici d'autres faits. Noël, par exemple, a été illégal aux États-Unis d'Amérique jusqu'au 19e siècle, étant considéré comme... Donc, vous voyez, il donne une supputation, la fête des Saturnes, des Saturnalis, c'était la fête du dieu soleil, tout ça. Hein? Donc tout ça, tout ce qu'il dit là, ce sont des raisonnements bidons. Mais des cérémonies païennes. Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. Hein, là, c'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Soukot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit « N'apprenez point les façons de... » Donc, chacun donne sa théorie. La fête, il faisait très froid, même lorsque la Bible n'a pas dit qu'il faisait froid. On va vous suivre l'autre pasteur, la Gino, qu'on avait joué au début. Les messieurs là qui disaient que Jésus-Christ ne pouvait pas naître au mois de décembre, tout ça, le pasteur américain l'a dit non. C'est un pasteur que des fois j'aime le suivre. Mais ce sont des gens qui s'embrouillent aussi. Ça, c'est Gino. Attendez. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit faire ceci. On doit répondre vite. Alors, ça, ce sont les aléas du direct. Je suis en train de retracer la vidéo là où nous étions. Ah, OK. On était là, là où on parlait de Gino, le pasteur américain là, qui disait que la fête de Noël, on ne doit pas fêter ça. Hein? Écoutez ce que Gino dit. When did Jesus tell you his birthday was December 25th, you liar? Right. Well, Pastor Genesis' birthday was somewhere, but you can't make up nothing. No. Jesus said to believe on him. We believe in the standard of holiness. Holiness is the way of God that he gave his apostles. Therefore, these things out of my eyes are not allowed on this campus. No Christmas.
upon renting or leasing these facilities together to whom it may concern. Who's interested in renting or leasing these facilities? We believe in the standard of holiness. Holiness is the way of God that he gave his apostles. Therefore, these things out of my eyes are not allowed on this. You're heathen. Heathen. You're not a Christian. You're not like Christ. Oh, no. When did Jesus tell you his birthday was December 25th, you liar? Right. Well, Pastor Jenny's birthday was somewhere, but you can't make up nothing. No. Jesus said to believe on him as the scripture have said. And if the scripture didn't say it, don't make up nothing. Amen. Yeah. Amen. But you know when you say something about Jesus, you got to read it. Right. Jesus said, search the scriptures. That's right. But, ça, c'est Gino. Lui aussi, Jésus-Christ n'est pas dans les 25. C'est un pasteur influent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il dit souvent des histoires. Il tombe dans les mains des gens qui luttent contre la naissance de Jésus. Il y a même des gens qui disent que Jésus n'était pas venu. Il y a tous ces gens-là. D'autres disent que Jésus n'a jamais existé. Alors, il ne faut pas tomber dans les mains de tous ces gens-là, puisqu'ils luttent contre la venue de Jésus. Alors, nous allons prendre l'autre gars qu'on appelle Boris Mbota. Le gars aussi qui s'amouille. C'est un menteur, un menteur professionnel. Vous allez voir ce que Mbota est en train de dire. Il va raconter... Il s'agit bien du calendrier juif qui est le mois 2. Moi, je pense que mon cher docteur me fait en fait... Là, pour théorie qu'on venait donner ici, Luc chapitre 2, le verset 28, nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui attendent pour te réapprendre ce qu'on t'a donné comme information. Si tu ne veux pas l'accepter, bon, libre à toi, c'est une affaire de connaissance. Alors, déjà, un élément encore important, le Christ, Yeshua, ne serait pas né au mois de décembre. C'est absolument impossible, ça c'est clair. Et il n'est pas non plus né au mois de mai. Et je vais vous le prouver pourquoi. Luc chapitre 2, le verset 28 nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Ça, c'est une information très importante du livre de Luc qui nous montre que la nuit de la naissance de Christ, les bergers étaient sur les montagnes en train de garder les troupeaux. Mais non, puisque vous êtes en crise d'information, je vous informe quand même que le verset ici nous révèle que c'est pendant l'estive que Christ est né. Or, l'estive est une période de l'année où les bergers paissent le troupeau sur les pâturages des montagnes. Et ça, c'est un élément important parce que présentement, en décembre, il est absolument impossible que les bergers soient à l'extérieur puisqu'il neige. Le monde n'a pas changé, il est ce qu'il est. Et l'estive aussi, je vous donne comme information, vous notez, vous allez vérifier, ça vous aidera. Vous voyez, là, il donne son information qui est bizarre. Il dit qu'il y a la neige, tout ça. Ils sont sur les montagnes. La Bible n'a pas dit montagne. C'est lui qui ajoute le mot montagne, neige. Donc, c'est un menteur, ce monsieur-ci. Suivez ce gars. L'estive arrive précisément en été. C'est la saison la plus chaude de l'hémisphère nord, s'étendant du solstice de juin à partir du 21 juin et qui va finir dans l'équinoxe de septembre qui arrive le 22 septembre. Donc, le Christ serait né dans cet intervalle partant du 21 juin jusqu'au 22 septembre, donc précisément en été, parce qu'il est le grand soleil. Il est né en été pendant qu'il faisait exactement chaud. Sinon, cela ne, vous pouvez secouer la tête, c'est une information. Même en classe de 5e, on l'a appris sur la végétation ainsi de suite des pays tempérés. Donc ça, vous pouvez vérifier l'information. Pourquoi est-ce que les bergers étaient sous la montagne en train de paître le troupeau la nuit? Et la seule période où les bergers sont sous la montagne, c'est pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que la végétation pousse sur les montagnes. Ouais, il ajoute, il dit que les bergers étaient en train de paître les moutons, les brebis pendant la nuit. C'est un menteur. Paître le troupeau la végétation ainsi de suite des pays tempérés. Ça, vous pouvez vérifier l'information. Pourquoi est-ce que les bergers sur la montagne sont en train de paître le troupeau la nuit? La seule période... Il ne paissait pas le troupeau la nuit. C'est lui qui a ajouté. Il a ajouté le mot paître. Et puis, il a ajouté le mot montagne, qui ne sont pas dans la Bible. C'est un menteur, ce gars-ci. C'est un petit menteur, ce monsieur-ci. J'ai toujours cherché son numéro pour débattre avec lui. J'ai écrit plusieurs fois, mais j'attends qu'on puisse me répondre. C'est un menteur, ce monsieur-ci. Il ment sur les Écritures, puisqu'ils ne connaissent pas. Où les bergers sont sous la montagne, c'est pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que la végétation pousse sur les montagnes et sur les Alpes. Merci beaucoup. C'est d'abord une information que vous devez noter. Et déclasser la date. Merci beaucoup. Votre temps de parole est épuisé. Votre temps de parole est épuisé, docteur Renobo. Et puis, il a dit quelque chose de damning, quelque chose de très grave ici, qu'il ne fallait même pas fêter la fête de Noël puisque c'était une malédiction. On va vous jouer tout ça.
Vous allez voir, ça, c'est très nécessaire qu'on puisse montrer ça. Et écoutez, on va jouer d'abord ça, et puis on va revenir à la malédiction. Oh, il faisait, c'est pendant l'estive. Donc, il invente même des mots. Les anniversaires de naissance étaient célébrés en Égypte. C'était une affaire de Pharaon. Et Pharaon ne célébrait pas. Non. Attendez. Je dois commencer par ici. Et puis, on va arriver à la célébration des dates d'anniversaire. Suivez. Oui. Donc, ne venez pas distraire voilà. Les gens lorsque les textes sont clairs. Quand vous avez des problèmes d'abord sur la compréhension d'un texte qui est littéral, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez comprendre par la suite. Et je vous ai démontré ici que le Christ est né pendant que les bergers étaient sur la montagne. Si vous n'avez pas de connaissances en géographie, vous avez sauté la classe de 5e, c'est votre problème. Celui qui a sauté la classe, on n'a pas dit montagne. C'est toi qui as ajouté montagne. Tu es menteur, Mbotan. Mais prenez les livres géographiques et puis étudiez pendant que les bergers. Vous avez des problèmes d'abord sur la compréhension d'un texte qui est littéral. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez comprendre par la suite. Et je vous ai démontré ici que le Christ est né pendant que les bergers étaient sur la montagne. Si vous n'avez pas de connaissances en géographie, vous avez sauté la classe de 5e, c'est votre problème. Mais prenez les livres géographiques et puis étudiez. Vous allez vous rendre compte, évidemment, à quelle période de l'année les bergers se retrouvent sur la montagne la nuit en train de paître le troupeau. C'est pendant... On n'a pas dit sur la montagne en train de paître le troupeau. C'est un menteur. Et c'est comme ça que les gens mentent. Des fois, on ne suit même pas comme ce qu'ils disent. On croit. Ah, il a bien prêché. Non, il a menti. Donc, le diable, il peut... et ajouter à la parole de Dieu même une virgule pour mentir. Mais ce monsieur dit qu'ils étaient sur les montagnes en train de paître la nuit. C'est faux, la Bible n'a pas dit ça. C'est un menteur. Dans l'été, pendant qu'il fait extrêmement sur la montagne, si vous n'avez pas de connaissances en géographie, vous avez sauté la classe de 5e, c'est votre problème. Mais prenez les livres géographiques et puis étudiez. Vous allez vous rendre compte, évidemment, à quelle période de l'année les bergers se retrouvent sur la montagne la nuit en train de paître le troupeau. C'est pendant l'été, pendant qu'il fait extrêmement chaud, parce qu'il n'y a plus de végétation en bas, la végétation pousse maintenant au niveau des montagnes, parce qu'elle pousse de façon progressive. Il commence à donner des fausses, des mensonges. Écoutez, la végétation sur les montagnes, ça pousse de façon progressive. Les menteurs, suivez. Géographique, et puis étudiez. Vous allez vous rendre compte, évidemment, à quelle période de l'année les bergers se retrouvent sur les montagnes la nuit en train de paître le troupeau. C'est pendant l'été, pendant qu'il fait extrêmement chaud, parce qu'il n'y a plus de végétation en bas, la végétation pousse maintenant au niveau des montagnes, parce qu'elle pousse de façon progressive à partir du mois de juin, et ils sont en train de suivre l'évolution jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le plateau des montagnes. Donc c'est sur les montagnes qu'ils étaient en train de paître les troupeaux pendant que le Christ est né. Alors ça n'a rien à voir avec le mois de mai et de surcroît. Merci beaucoup. Le mois de mai, je ne sais pas comment vous faites pour les rapprocher. Merci. Il est né en date de mai, il est précisément né pendant l'estive, parce que les bergers étaient sur la montagne. Secouez la tête, un professeur de géographie pourra vous appeler à la fin et vous donner une instruction là-dessus. Alors, le deuxième élément, c'est lequel? D'abord, un, la naissance d'abord de Christ n'est pas un événement à célébrer. Il dit que la naissance de Christ n'est pas un événement à célébrer. Ce monsieur, est-ce qu'il lit la Bible? Dieu a célébré la naissance de Christ. Les anges ont célébré la naissance de Christ. Esaïe a célébré. Dieu a même célébré dans Genèse. Mais ce gars ici, il ne faut pas célébrer la naissance de Christ. Est-ce que tu te rends compte? C'est un haut fait de l'Éternel, on ne doit pas célébrer. Écoutez, et vous donner une instruction là-dessus. Alors, le deuxième élément, c'est lequel? D'abord, un, la naissance d'abord de Christ n'est pas un événement à célébrer. Pourquoi? Déjà dans la Bible, quand on lit dans la Bible, puisque vous prétendez connaître la Bible du livre de Job, Job maudit d'abord le jour de sa naissance, il dit, maudit soit le jour où je suis né. Le jour de naissance d'un homme n'a rien à voir. Il dit, Job a maudit le jour où il est né. C'est un comédien, ce monsieur. Job a maudit le jour où il est né. Et Job a dit, il a corrigé ça. Il dit que c'était une erreur de faire ça. Il a dit, j'ai parlé des choses sans les comprendre. Je vais vous montrer les versets. Dieu a béni le jour où Jésus-Christ est né. Et lui dit qu'il ne faut pas célébrer la naissance de Jésus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les chrétiens n'ont jamais, ou les saints du premier siècle n'ont jamais célébré la prétendue naissance de Christ. Les anniversaires de naissance étaient célébrés en Égypte, c'était une affaire de Pharaon, et Pharaon ne célébrait pas le jour de sa naissance, mais il célébrait le jour de son accession au trône. Ça, c'est un raisonnement de témoins de Jéhovah qui disent qu'il ne faut même pas célébrer la date d'anniversaire, tout ça. Des raisonnements à l'absurde. Et chaque fois que cela revenait, d'où on parle d'anniversaire. Un raisonnement pas
absurdité ou bien par l'absurde. Ça veut dire que l'année, la chose qui revient, l'année qui revient, et ça permet de commémorer un événement et il célébrait le jour de son accession au trône. Comme vous lisez dans la Bible, dans Genèse chapitre 40, Pharaon a célébré le jour de sa naissance et ce même jour, il y a eu un homme qui a été décapité, qui a été mis à mort. Et la deuxième fois l'anniversaire est rapporté, c'est avec Hérode qui célèbre l'anniversaire et puis Jean-Baptiste est décapité. Donc, ça n'a jamais été une pratique biblique. Et la Bible précise que le jour de la mort vaut mieux que le jour de naissance. Ça, vous ne le savez pas. Et pour ce qui concerne la vie de Christ, c'est sa mort, le jour de sa mort, qui est plus important que le jour de sa naissance. Parce que s'il ne mourait pas, il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de salut. Donc, lorsque vous venez aujourd'hui pour célébrer, prétendument, le jour de naissance, et puis le renvoyer au jour de naissance de votre homme, c'est la fin de n'importe quoi. Respectez au moins. Donc, c'est un comédien. On célèbre toute la vie de Jésus. La Bible dit célébrer les hauts faits. Si la mort de Jésus, la naissance, tout ce que Jésus a fait, ce sont les hauts faits. On doit célébrer. Jésus n'interdit pas ça. On va lire les Écritures. On va voir. On célèbre les hauts faits. C'est écrit là. Célébrer les hauts faits. Faites connaître les hauts faits. Hein? On doit louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Job a maudit le jour de sa naissance. Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance. Job a maudit. Mais est-ce que ce que Job a fait, c'était bien? Dans Job 42, il dit ceci. Verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job s'était répandu. Tu ne peux pas maudire le jour de ta naissance. Hein? Donc, c'est un gars-là qui s'embrouille pour rien. Qui s'embrouille. On va voir. Donc, le diable lutte contre la parole de Dieu. Job dit, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent. Job 42, 3. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Au verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job s'était répandu. Lorsqu'il dit, je maudis le jour où je me condamne et je me répands. J'ai parlé des choses sans les connaître. Le jour de la naissance de Jésus, les anges, Luc 2, chapitre 10, et partout, on dit que les anges se sont réjouis. On célèbre le jour de la naissance de Jésus. On doit célébrer. On doit enseigner ça même aux gens qui ne connaissent pas. Lorsqu'il y a Christmas, il y a même des musulmans, il y a des bouddhistes, des athées, qui n'aiment pas, qui tuent même les gens lorsqu'on célèbre ça. Mais il y a d'autres qui permettent. Au verset 13, on dit, et soudain, il s'est joigné à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Donc, il y a eu louange. Une armée céleste, une multitude de l'armée céleste a loué Dieu. Le jour de, on dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Quelle parole ça! Quelle parole! Il faut paix sur la terre, la paix. Donc, on doit célébrer les hauts faits de l'Éternel. Donc, la naissance de Jésus, on doit célébrer ça chaque jour, si on veut. Si on en a les moyens, on peut organiser ça chaque jour. On célèbre qu'une date, et voyez-vous comment est-ce que les satanistes combattent ça. Et ils se liguent même avec des faux chrétiens, des gens qui n'ont pas vérifié les Écritures, qui nous mentent. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Verset 12. Verset 11, dans la vie de David, vous aimez un sauveur qui est le Christ comme le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné une multitude. Ésaïe 7, 14, Genèse 3, 15, tous ces gens-là avaient prophétisé. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ah! Cette prophétie fait mal au diable. Ça fait très mal. Et nous voyons maintenant, il est en train d'armer même des gens qui se disent chrétiens avec le mensonge pour essayer de combattre cette prophétie. Cette prophétie s'est accomplie. C'est l'incarnation de Dieu. Lorsque Dieu est sur la terre, il s'est incarné. Le diable n'aime pas ça. Michée lui aussi avait dit ça. Michée, au chapitre 5. Ah, ça c'est un beau verset. Un bon chapitre. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël.
celle qui doit enfanter, c'est Marie. Donc, lorsqu'on a enfanté, mais on se réjouit même à cause de cette écriture. Lorsque nous entendons cette écriture, Michée 5, 3, on dit Alléluia, Amen. On chante ce verset ici. Celle qui doit enfanter a enfanté. C'est un grand jour. On se réjouit de la naissance de Jésus. Zacharie dit, et Zacharie 2, 10, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. On doit pousser des cris de joie, d'allégresse. On se réjouit. Tu dis, et dit, on ne célèbre pas la naissance. Non, non, ça c'est Satan qui parle. Satan n'aime pas ça. Hein? Satan n'aime pas la naissance de Jésus puisqu'on doit écraser sa tête. Chaque fois qu'on célèbre la naissance de Jésus, Satan vient avec des faux raisonnements. Et il y a la neige. Hein? Là-bas en Israël, il y a la neige. Faux raisonnements. Oh, fête du Dieu soleil. Faux raisonnements. C'était les Romains qui sont venus pour essayer de décourager les chrétiens à célébrer. Ils ont commencé à dire, Dieu soleil. OK, on va suivre le monsieur ici, qu'on appelle Armando. Vous allez voir, le gars ici, ce sont des gens qui essayent de se faire passer comme des docteurs de la parole et qui mentent beaucoup. Hein? Vous allez suivre ce que ce monsieur est en train de dire. Armando. Hein? Donc ici, la Bible parle sur le sapin. Le sapin, on voit que personne ne connaît à quelle date Jésus-Christ était né. On commence d'abord avec ce... Il dit que personne ne connaît à quelle date Jésus-Christ était né. On commence avec cet élément d'abord, là où il a parlé de l'hiver, qui faisait très froid. Des faux raisonnements, des raisonnements bidons. Écoute. Un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. La Bible déclare ici que quand Jésus-Christ était né, il y avait des bergers qui étaient aux alentours en train de paître le troupeau. Alors, nous allons comprendre que pendant le mois de décembre, il est impossible que les bergers puissent être hors de la maison pour paître le troupeau parce que c'est le mois où la neige commence à tomber. Puisque la neige commence à tomber le mois de décembre, puisque le mois de décembre, c'est le mois de la froideur, donc il n'y a pas moyen que les bergers puissent alors être hors de la maison pour paître les troupeaux, parce que l'herbe ne peut alors pas pousser pendant l'hiver. Donc, il y a déjà une impossibilité. Et ici, la Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, les bergers étaient hors de la maison pendant la nuit en train de garder le troupeau. Mais est-ce que on peut garder le troupeau la nuit pendant l'hiver? C'est un peu de la maison. Est-ce qu'on peut garder les brebis la nuit? Mais on garde les brebis la nuit comme le jour. Donc, des faux raisonnements pendant l'hiver, tout ça. Des faux raisonnements. Les bergers travaillent toute l'année. Déjà une impossibilité. Et l'herbe ne peut alors ne pas pousser pendant l'hiver. Donc, il y a déjà une impossibilité. Et ici, la Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, les bergers étaient hors de la maison pendant la nuit en train de garder le troupeau. Mais est-ce qu'on peut garder le troupeau la nuit pendant l'hiver? C'est impossible. Donc, nous comprenons que Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est juste une arnaque, une tromperie. OK, ça, c'est un raisonnement bidon. On a déjà détruit ça. Écoutez ce qu'il va dire sur la fête de l'erroné. Il dit que c'est la fête du dieu Saturne, Saturnal. C'est ce qu'il va dire. Écoutez. Et dans l'Empire romain, ils ont commencé alors à célébrer aussi chaque le 25 décembre la fête de la naissance de Jésus d'une manière erronée. Mais en réalité, c'était la fête des Saturnales qui étaient alors les disciples de la croyance ou soit de la doctrine des Saturnes. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette fête ici qui était la fête alors du 25 décembre, la fête commençait du 21 décembre jusqu'au 25 décembre. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de mentir? Que la fête de Saturne, ça a commencé du 21 au 25 décembre. C'est un menteur, pas le dépister. Écoutez ce qu'il dit. Dans cette fête ici, qui était la fête alors du 25 décembre, la fête commençait du 21 décembre jusqu'au 25 décembre, juste pour alors se jouir et réjouir. Il dit que la fête commençait du 21 au 25. C'est faux. La fête de Saturne, ça a commencé le 17. Et ça se terminait
le 20, vers le 23. On va vérifier. Mais pour décrédibiliser, il dit la fête de Saturne, ça commençait du 21 au 25. C'est faux ce qu'il dit. De la doctrine de Saturne, dont ça n'a rien à voir, Saturnal, qui était alors les disciples de la croyance, ou soit de la doctrine de Saturne, dont ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette fête ici, qui était la fête alors du 25 décembre, la fête commençait du 21 décembre jusqu'au 25 décembre, juste pour alors se jouir et réjouir de tous les plaisirs. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Nous, nous ne pouvons alors pas fêter, soit célébrer cette fête qui est d'origine païenne. Mais alors... Ok, on va vérifier ce qu'il est en train de dire. Où est-ce qu'il tire ça? Ce sont des mensonges. C'est jamant. Ça, c'est le Saturnal, la fête de Saturne. Saturnalia, la fête de Saturne. La fête de Saturne, vous voyez? Maintenant, lui dit qu'on célébrait ça du 21 au 25. C'est un menteur. La fête du dieu Saturne, ça se célébrait du 17 décembre. On va vérifier, attendez. 17 décembre au 23 décembre. Les gens célébraient leurs histoires. C'est autre chose. Puisque chaque pays a sa culture, ses dates d'anniversaire, tout ça. Les gens célébraient autre chose. Les chrétiens célébraient autre chose. Maintenant, lui veut relier les deux. C'est par méchanceté. Même l'équinoxe, lorsqu'on dit solstice d'hiver, solstice d'été, c'était le 21 et le 22. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Aujourd'hui, c'est le 23 décembre. Aujourd'hui, pendant que j'ai fait l'émission, c'est le 23 décembre. Avant-hier, la nuit, c'était solstice d'été, ici en Afrique du Sud. C'était solstice d'hiver, 21 au 22. Ça c'est hier, avant-hier et hier. Et vous pouvez sentir même la différence de la température ici, pendant que je suis ici en Afrique du Sud. La température a changé. C'est le solstice, c'était hier. Mais Christmas, Noël, ça sera le lundi, le 25. Alors comment est-ce que je peux lier les deux fêtes ensemble? C'est par méchanceté. Là, le Saturnal, on nous dit c'est 17 au 23. Maintenant, le frère ici, Armando, a menti. Il dit que c'était la fête de Saturne, juste pour décrédibiliser la fête. Donc, vous voyez comment c'est même des chrétiens. Là, ce sont nos frères à nous qui nous mentent. Ce n'est pas correct. On doit dire la vérité. Même si je suis contre quelque chose, mais je dois du moins... Et là, c'est la page de Wikipédia que je suis en train de vous montrer. Tout le monde peut vérifier ça. Hein? Donc, on doit dire au moins la vérité. Si je ne célèbre pas Christmas, je ne dois pas célébrer si je veux, mais que je ne puisse pas mentir. Oh, c'est la fête du Dieu Soleil, la fête de Saturne, la fête de Jupiter. Oh, tout ceci, c'est là. Là, c'est l'empereur Aurélien que je suis en train de vous montrer. L'empereur Aurélien, en l'an 274. C'est lorsque ce monsieur avait introduit la date du dieu soleil. Là, c'est après Sol Invictus. C'était le nom de ce soleil. On va retourner là. Je vais vous montrer comment est-ce que ce monsieur a voulu donc mépriser les chrétiens. Puisque les chrétiens, eux, célébraient la date de Jésus le 25 décembre. Depuis longtemps. Maintenant, les Romains ont voulu juste mépriser les chrétiens. Alors qu'ils ont amené aussi la date de leur Dieu après. Ce n'est pas les chrétiens qui ont recopié les Romains. C'était les Romains qui ont recopié les chrétiens. Écoutez, les gens mentent. Même nos frères, les chrétiens. Hein? Écoutez, je vais vous montrer quelques versets. Lorsqu'ils faisaient le berger, ça c'est David qui parle. Un lion et un ours venaient enlever des troupeaux. Je courais, je le frappais. Donc le berger gardait les troupeaux. Jouit, que ce soit la nuit ou bien le jour. Jour et nuit. Il ne faut pas dire, oh il faisait froid en hiver, ils ne sont pas à la maison, tout ça. Non. Ne racontez pas ces histoires-là. C'est du mensonge. Ne tombez pas dans le piège du diable, dans le piège des satanistes. Ici nous allons voir.
Ça, c'est Philippiens au chapitre 4. L'apôtre Paul qui parle de Évodie. Ah, c'était la première personne à avoir mentionné la date du 25 décembre. Évodie dans la Bible. La première personne à avoir mentionné la date du 25 décembre que Jésus-Christ était né, serait né le 25. On va revenir là. Ça, c'est Évodie. On va vérifier qui est Évodie. C'était un apôtre. Bon, c'était un disciple, l'un des disciples de Jésus. Jésus avait 12 apôtres et puis les 70 disciples. Maintenant, parmi les 70, il y avait celui qu'on appelle Évodie, Philippiens chapitre 4, verset 2. On va nous montrer. Ah, là, nous sommes en train de chercher pour vous montrer comment est-ce que les gens étaient parvenus à trouver la date du 25 décembre. Puisque les gens qui étaient avec Jésus, ils comptaient aussi. Jésus est né, il y avait une société, il y avait des écrivains, il y avait tout le monde. Mais tous n'étaient pas disciples de Jésus. Il y avait des gens, même ceux de l'entourage. La Bible dit ceux de l'entourage de Jésus. Eux aussi, ils étaient là. Il y a la fête de Sukkot, qui est très ponctuelle et on va revenir. Là, nous sommes en train de chercher la vie d'Évodie. Évodie, nous allons voir qui était Évodie. C'était un prêtre. Bon, c'était un des disciples de Jésus, parmi les 70 disciples de Jésus. Et il travaillait avec Saint-Pierre. Il est mort vers l'année 66 à Antioche, en Turquie. Il était l'un des disciples de Jésus. Évodie. C'est la première personne à avoir mentionné la date du 25 décembre. Puisque dans l'histoire de l'Église, nous utilisons aussi l'histoire. Donc, les gens qui ont écrit avant, hein, les gens qui ont vécu, les témoins, tout ça, ça peut nous intéresser. Maintenant, ces messieurs ici, ces gens ici, depuis leur époque, il est né, il est mort en l'an, vers l'an 66-68, vers ces années-là. Maintenant, l'apôtre Paul dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Évodie, lui, à cette époque-là, il est mort il y a très longtemps. Il n'y avait pas de date de Saturne qu'on lui a recopié. Ce n'était même pas le 25. Il n'y avait pas de solstice. Nous allons voir maintenant le livre qui a été publié. Le livre est là. Ah, on va vous montrer même le titre pour que les gens puissent aller vérifier ce que Évodie avait écrit. Voyez-vous? C'est ça le livre. Il y a eu, puisqu'il a enseigné, mais on l'avait tué malheureusement. Il est mort comme martyr. Il est mort. Ça, c'est Évodie. Il y a un livre qu'on appelle « Excepta Barbari ». Hein? Dans ce livre-là qu'on appelle « Excepta Barbari », là, c'est, on parle des Africanos. Hein? Africanos, Sylvain Africanos, il a aussi mentionné dans « Excepta Barbari » concernant la date du 25 décembre comme la date de la naissance de Jésus. C'est en anglais. J'ai cherché ces histoires en français, c'était très difficile de trouver. C'était trop difficile. Hein? Mais ces gens ici, ils ont vécu avant Constantin, avant l'empereur Aurélien, avant même la naissance, la date du dieu soleil. Ces gens étaient déjà morts. Maintenant, les Romains sont venus, ils ont voulu tripatouiller. Donc, tous ces gens ici qui ont vécu avant. On va voir maintenant. Saint-Pierre qui travaille avec Évodie, puisqu'on vous dira... Si vous recherchez, ils ont été tués par Néron. Hein? Vous voyez, l'empereur Néron, qui a vécu vers l'an 64-68, comme roi, il les a tous tués. Alors nous allons voir Nicéphore qui a écrit sur Évodie. Hein? Puisque ces gens-là, on les a tués, mais quand même, ils avaient enseigné et c'est eux qui ont transmis. Hein? Transmission du message, même oralement, même par écrit. On va essayer d'agrandir. Hein? J'ai essayé de trouver ça en français, je n'ai pas trouvé. Et le PDF, ce n'est pas facile d'interpréter ça, de traduire ça. However, she gave birth to the light of this world. Elle a donné naissance à la
lumière de ce monde, la lumière du monde. Ça, c'est Évodie qui parle dans ce livre-là. Le 25e jour du mois de décembre. C'était le 25 décembre que Marie a donné naissance. Being 15 years of age. Et Marie avait 15 ans. Ça, c'est Évodie. Ça, c'est une parole de Évodie. Que la lumière du monde est née le 25 décembre. Et un homme comme ça, comme Évodie, avait été tué comme martyr en l'an 66, vers l'an 66, par Néron, qu'il avait tué. Mais il avait enseigné, ça c'est Nicéphore qui nous donne ces écrits ici que vous voyez. On vous a donné la source du livre, et c'est écrit dans beaucoup de livres là. Il y a ce qu'on appelle Nicéphore Calisti, Ecclesiastical History, 2.3, 2.3, traduit du grec au latin par Johannes Langos, vers l'an 1562. La translation en français, en latin, en anglais, tout ça, c'est en anglais, on a traduit du latin en anglais. Les Français n'ont pas écrit. Je n'ai pas vu ça. Bon, il y en a peut-être, mais c'est moi qui n'est pas sur Internet. Et vous voyez, il est mort vers l'an 66. Et Évodie était l'un des 72 disciples de Jésus. Jésus avait beaucoup de disciples. D'autres étaient partis, d'autres l'avaient abandonné. La Bible dit d'autres avaient fui. Hein? C'est pour cela qu'on parle de 72 ou bien de 60, puisque d'autres avaient abandonné Jésus. C'est écrit dans la Bible. Et d'autres sont restés avec Jésus. D'autres l'ont suivi. C'est ça. Voyez-vous, ça c'est Évodie, la première personne. Il est mort vers les années 66, 68, 69. Tué par Néron. L'empereur Néron. C'est Néron qui l'avait tué. Ça, c'est la première fois, l'homme le plus ancien à avoir mentionné la date du 25 décembre. Ce n'est pas autre chose. Là, c'est l'histoire de l'Église. Nous connaissons l'histoire de l'Église, on lit, on connaît Irénée. Irénée n'est pas dans la Bible. Mais on parle de la Turquie, tout ça, Irénée, tous ces gens-là qui ont vécu. Mais c'est par l'histoire. On parle de Papias, on parle de Martin Luther. Luther, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce sont des gens qui ont lutté. Et on parle de John Wesley, tous ces gens-là. On connaît l'histoire. Ils ont lutté pour une cause. On doit connaître ces histoires. Il y a celui qu'on appelle Sextus Julius Africanus. Il a vécu en l'an 160, il est mort en l'an 240. C'était aussi un chrétien, un historien qui a aussi écrit sur la date. La date. Et il a enseigné. Maintenant, les gens qui le suivaient, les savants, ils ont calculé la naissance de Jésus à partir du livre de Sextus Julius Africanus. Ils ont dit, la date est tombée exactement le 25 décembre. Ça, c'est un deuxième témoin. Hein? Ça, c'est Julius Africanus. Hein? Voyez-vous. Nous allons voir dans son livre-là, Excepta Barbarie. ce sont les anciens. Écoutez, et ils ont transmis ce qu'ils connaissaient. Mais, comme je dis, les orthodoxes, elles célèbrent le 6 janvier. Donc, on peut célébrer n'importe quand. Le problème, ce n'est même pas la date. C'est juste se réjouir de la naissance de Jésus. Hein? Écoutez, les savants prédisent que Africanus a placé la conception de Jésus le 25 mars, basé sur le comptage de la création du monde. Le 25 mars, c'était la conception de Jésus. Donc, lorsque Jésus est conçu dans le ventre, 9 mois après, il est né. 25 mars, 9 mois après, c'est le 25 décembre. Et cela est écrit dans le livre Excepta Barbarie. Sorry. Donc, ouais, on a aussi des savants, on a des sages. Jésus a dit que je vous enverrai des sages, des docteurs, tout ça. Donc, et des gens qui ont calculé. Il y avait des témoins, beaucoup de témoins oculaires autour de Jésus qui ont écrit tout ça.
Excepté la barbarie. On montre que le 1er janvier, les dates, les mages étaient arrivés. Hein. Maintenant, c'était après beaucoup d'années. Ça, c'est le livre. Ça placé lorsque Jésus avait seven days old. Là, ils écrivent 7 days from December 25th. Le premier, ils ont calculé. Ils ont calculé. Là, ce sont les savants qui sont en train de discuter. Ils font leur calcul, voir comment est-ce que les dates s'étaient passées, comment ça s'était calculé, les années. Ils disent 2 ans ou bien 7 ans. Ils sont en train de calculer là. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai tiré ça. Voyez-vous? Ça, ce sont les anciens. Africanos. Il dit Africanos. Nous montre que la date de Jésus, implicitement, Jésus-Christ était né au mois de décembre, pendant l'hiver, following winter, perhaps even to the 25th December. Donc, c'était peut-être le 25 décembre. Donc, il donne une estimation. Là, c'est Africanos. Hein? Donc, Africanos, il donne la conception de Jésus le 25 mars, la naissance de Jésus le 25 décembre. Voyez-vous? Excepté la barbarie, dans ce livre-là, on a écrit dans ce livre, si vous cherchez ce livre-là, vous pouvez trouver les déclarations d'Africanos. Il est mort en l'an 240. Ça, c'est Africanos, le deuxième témoin. Ça n'a rien à faire avec les Saturnales, ou bien la fête du Dieu Soleil, ou bien Constantin. Tous les menteurs, ils citent Constantin. Ça, c'est Hippolyte de Rome. Hippolyte de Rome, lui aussi, a parlé sur la naissance de Jésus. Il est né en 170, mort en 235. Avant Constantin, avant Dieu Soleil, tous ces gens-là. Hippolyte de Rome, lui aussi, a écrit sur la date. Que les chrétiens célébraient déjà, ils célébraient la naissance de Jésus depuis très longtemps, même avant la naissance de Hippolyte de Rome, avant sa naissance, c'est ce qu'il a dit. On va voir dans quel livre. Hippolyte de Rome a écrit dans un livre, c'était le commentaire, le livre c'est, écoutez, ça c'est Excepta Barbari. Nous sommes en train de chercher le livre de Hippolyte de Rome. C'est comme ça qu'on évolue. Il faut éviter les études de Heinrich. Je dois vous montrer le livre de Hippolyte, ce qu'il a écrit. On avance calmement. Le temps est contre nous. On doit terminer. Écoutez, la nativité de Marie, donc du Christ, hein, selon Evodi, selon Africanos, et selon le proto-évangile de Jacob. Là, on a donné même le calendrier. Hein, comment est-ce que Jésus-Christ était né? On a donné donc une représentation graphique, comment les dates s'étaient succédées. Nous sommes en train on va vous montrer le livre de Hippolyte. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Dans son livre, Hippolyte a écrit dans un livre, il dit ceci. Le livre, c'est Commentaire sur le livre de Daniel. Il dit quelque chose de très intéressant. On va souligner, nous sommes en train de chercher comment est-ce qu'on peut vous exposer ça, et souligner. This is not the whole state, in a forthcoming publication, the additional reference to the birth of Christ, la référence à la mort, à la naissance de Jésus-Christ,
Hippolytus, dans son canon et son commentaire sur le livre de Daniel, il a fait une référence spécifique à la date du 25 décembre. Qu'est-ce que Hippolyte a dit? Ce sont des livres qu'on peut trouver. Commentaire sur le livre de Daniel d'Hippolyte. For the first advent of our Lord in the flesh. La première venue de notre Seigneur dans la chair, lorsqu'il était né à Bethléem le 25 décembre, un mercredi. When he was born in Bethlehem, it was a December, a Wednesday. While Augustus was in his 42nd year, pendant que l'empereur Auguste était dans son 42e année, but from Adam, depuis Adam, 5,500 years. Là, c'est le calendrier juif, hein, et compte à partir d'Adam. C'était l'année 5500. He suffered in the 33rd year, 25th of March. Il a souffert lorsqu'il avait 33 ans, le 25 mars. Vous voyez, ils ont d'autres calendriers. Hein? L'année 5500, c'est d'après, et compte depuis Adam, Friday the 18th year of Tiberius, Caesar, le 18e année de Tibère, de César Tibère, Tiberius. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'eux ont eux compté? Là, ce sont les anciens. On nous donne les références du 25 décembre. Ah! Hippolyte de Rome. Ce sont les anciens. Ça n'a rien à faire avec tout ce qu'on nous racontait sur la date du Dieu Soleil, tout ça, tout ce qu'on raconte. C'est du mensonge, de n'importe quoi. Il ne faut pas suivre tout ce que les gens racontent. Soukhot, ça c'est la fête du tabernacle. C'est une date nécessaire, puis ça nous déterminer. Même dans la Bible, on a parlé de la date approximative. On n'a pas écrit la date, mais on a décrit la période. Puisque les Juifs, ils comptaient à partir de la naissance d'Adam. Il y a d'autres qui comptaient les calendriers depuis la déportation de Babylone. Il y a même Théophilos, le bishop de Césarée, lui aussi a écrit sur la date. Il est mort en l'an 195, l'an 195, au deuxième siècle. Lui aussi a parlé de la naissance de Jésus le 25 décembre. Tous ces gens ici sont des témoins qui ont parlé. Mais la plupart étaient morts. Alexandre de Jérusalem, lui aussi a parlé de ça. Il est mort en l'an 251. Il a parlé du 25 décembre. Ce sont des témoins qui ont parlé. Dieu ne manque jamais de témoins, même si vous les tuez tous. Comme on a tué, il y a beaucoup de martyrs. Ici, on dit 8 days before the calendar of January. Donc, ici, vous voyez la date, le calendrier de janvier, ça tombe le 25 décembre. Bon, c'est une différence des calendriers. C'est pour cela que dans la Bible, tu peux voir dans un livre de rois, ou bien on parle d'une date, d'une année. Mais tu vois, dans le livre des Chroniques, on parle d'une autre année, puisqu'ils avaient différents calendriers. Ah. Ils utilisaient plusieurs calendriers. Ils n'avaient pas qu'un seul calendrier, ils avaient plusieurs systèmes. Ah. Donc, tous les gens qui sont venus avec des faux enseignements, ils sont en train de perturber. Ils ne luttent pas contre Christmas, ils luttent contre Jésus-Christ. Là, c'est un livre qu'on appelle Chronographe de 354. Le Chronographe de 354, c'est un livre ancien qu'on a écrit au 4e siècle. Maintenant, ce livre, ça répertorie l'histoire même avant la naissance de Jésus. Donc, c'était comme leur encyclopédie. C'était comme une encyclopédie de cette époque-là. Maintenant, eux, ils disent que les chrétiens célébraient Christmas le 25 décembre. Il y a eu des gens comme Hippolyte. Ça, c'est le Chronographe, c'est l'encyclopédie du 4e siècle. Maintenant, il te retrace. C'était comme les encyclopédies que nous avons. Mais pour le moment, nous utilisons beaucoup Google. Maintenant, eux vous montrent que la fête de Noël était célébrée bel et bien avant. C'était célébré bel et bien avant par les gens qui ont vécu au premier siècle.
Le premier disciple de Jésus qui a célébré, qui a mentionné ce qu'on a vu, c'était Évodie. Ça, c'est le chronographe de 354, qui était comme leur encyclopédie, comme leur Google à cette époque. Tout le monde se référait à ça. Et donc, il ne faut pas accuser Constantin pour rien, comme font tous les gens qui veulent mentir sur la Bible. Ils accusent Constantin. Constantin avait fait ceci, Constantin avait fait cela. Non, c'est du mensonge. Hein? Et là, nous allons voir l'Empire romain en l'an 270. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Aurélien. C'était un empereur qu'on appelait Aurélien. C'est ce monsieur qui a recopié maintenant les chrétiens, qui a ajouté la date du 25 décembre pour recopier les chrétiens qui fêtaient ça depuis le 1er siècle. Pour le mépriser. On va voir. Ça, c'est Aurélien, l'empereur. Ce monsieur était venu et il a régné de l'an 270 à 275. Tous les chrétiens que j'ai mentionnés étaient déjà morts. Les gens qui célébraient Christmas, la naissance de Jésus, étaient déjà morts. Ce monsieur est venu après. Maintenant, c'est ce monsieur qui a vu que le christianisme prenait beaucoup d'ampleur à Rome. Maintenant, ce monsieur, comme il était païen, il a instauré, il a pris la date, il a usurpé la date de chrétien. Il a mis maintenant son Dieu à lui pour mépriser les chrétiens. Voyez ce qu'il a fait. Maintenant, tu peux voir un chrétien qui dit eh, « C'est la fête du Dieu soleil. » Non, ça fait très mal. Vous mentez. Faites quand même des recherches. Ce monsieur... Sol Invictus, c'est Dieu soleil, le soleil invaincu. Maintenant, c'est ce monsieur qui a recopié les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens, le Dieu solaire, Sol Invictus. Donc, ça fait très mal. C'est en l'an 274 qu'il a fait ça. L'empereur Aurélien a relancé son culte en l'an 274 après Jésus-Christ et a promu Sol Invictus comme Dieu principal de l'Empire. C'est écrit là. C'est écrit là, voyez-vous. Il a fait ça pour mépriser les chrétiens. Maintenant, ça fait très mal d'entendre les gens qui disent, les pasteurs, moi, on a entendu beaucoup de gens nous dire ça. Nous aussi, on disait ça. Mais lorsqu'on a vérifié, on a vu que c'était l'inverse. Ce n'était pas les chrétiens qui avaient recopié, mais c'est lui qui avait pris la date des chrétiens pour mépriser Jésus. Voyez comment est-ce que le diable est méchant. Hein? Le diable, il est en train dans notre camp. L'empereur Aurélien, là, en 270, la monnaie est là. Il a mis, voyez-vous, même là, écoutez, c'est écrit là. Il a institué cette divinité-là pour essayer de mépriser les chrétiens, se moquer des chrétiens. L'Empire romain régnait partout, là. Hein? Voyez-vous? Ça, c'est la monnaie qui était utilisée à son époque. Hein? Une réforme religieuse. Aurélien a renforcé la position du dieu soleil. Sol Invictus. Sol Invictus. Voyez-vous? En l'an 274, consacré le 25 décembre, le centre du culte était un nouveau temple construit en l'an
en 274 est consacré le 25 décembre de Rome. Celui qui a recopié. Ah, vraiment. Comment est-ce que les gens sont méchants? Il a fait ça. Il a choisi la date pour mépriser les chrétiens. Maintenant, on voit des chrétiens. Oh, c'est la date du Dieu soleil. Non, 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 non. C'est les Romains qui avaient fait ça pour se moquer des chrétiens. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Toutes ces divinités-là. L'évangile de Paul, c'est ce qui a fait tomber même l'Europe qui était païenne. Hein? Jésus-Christ s'est gagné partout. Hein? Donc, écoutez, c'est pour cela que il faut toujours lire. Comme l'apôtre Paul dit, applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Car, donc, l'évangile du salut, il dit que tu, en lisant ceci, tu te sauveras toi-même, tu sauveras même ceux qui t'écoutent. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Les saintes lettres de Timothée. Et là, on parle qu'il faut se souvenir de Jésus. De Timothée au chapitre 2, au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. On doit se souvenir. Souvenir, cela veut dire commémorer la naissance de Jésus. Issu, c'est la naissance, issu de la postérité de David. On doit se souvenir de Jésus, on doit commémorer. Hein? En anglais, en latin, on dit memore, commémorer, commémorer, mémorer, c'est se souvenir de Jésus. Lorsqu'on fait Noël, on se souvient de Jésus qui est issu de la postérité de David. C'est aussi une parole de l'Écriture. Il y a plusieurs manières de faire ça. Donc les gens qui sont en train de lutter contre ça, ils sont des gens méchants. Vous voyez, on vient de prouver que ce n'était pas la fête du Dieu soleil. C'était les Romains qui ont fait ça pour déranger les chrétiens. Nous, on fêtait ça. Nos frères à nous célébraient ça bel et bien avant. On va voir dans la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, dans Zacharie, au chapitre 14, au verset 16, on parle de la fête des tabernacles. Oui, si la Bible parle de ça. It shall come to pass that everyone that is left of all nations will come against Jerusalem, shall even go up year to worship the King, the Lord of hosts, and keep the feast of tabernacles. Donc, garder la fête des tabernacles. Zacharie 14, 16, c'était la fête de Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ça? Puisque la Bible nous donne ça, la fête des tabernacles. C'était au mois de Tishrei. Tishrei, c'est vers septembre, octobre. Voyez-vous, septembre, octobre, pendant que les gens se préparaient pour la fête de Yom Kippour. Donc, la fête de Yom Kippour, c'est lorsque on a annoncé dans le temple, dans Luc au chapitre 1, on parle de ces dates ici, c'est alors que les gens ont calculé à partir de la fête de Yom Kippour, ils ont calculé la fête, donc la naissance de Jésus-Christ. Nous allons partir dans ce calendrier ici, ce calendrier que nous allons exploiter pour la gloire de Dieu. Les gens doivent être bien enseignés. Voyez, il y a ces dates ici. Dans ces dates ici, dans Luc au chapitre 1, nous allons partir dans le livre de Luc au chapitre 1, on nous montre la fête de Yom Kippour et la fête des tabernacles. Maintenant, si vous calculez à partir de là, ça te donne une date approximative de quand Jésus-Christ devrait naître. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, Luc 1, 5, hein, nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Vous voyez la classe d'Abia? Classe d'Abia, c'était la classe des sacrificateurs. Ils avaient leur date à laquelle ils entraient dans le temple. Maintenant, si vous cherchez la date là, ça va déterminer à quelle date Jésus-Christ était né. Puisque vous allez voir que l'ange était apparu à Zacharie qui appartenait à la classe d'Abia. Et si on te donne la date de la classe d'Abia, c'était pendant la fête de Yom Kippour, c'était vers septembre-octobre, lorsqu'il était dans le temple de la classe d'Abia, Zacharie, l'ange lui est apparu et lui a dit que ta femme deviendra enceinte, ta femme Élisabeth. Elle va donner naissance à un enfant, tu vas lui donner le nom de Jean. Et Jean était né 9 mois après cet événement. Et Jésus-Christ est né
six mois après la naissance de Jean. C'est écrit dans la Bible que lorsque Élisabeth était dans son sixième mois, elle avait vu Marie qui était venue. C'est écrit que dans 1 Chronique au chapitre 24, on nous donne la classe. Les classes de ces sacrificateurs, ils étaient 24 au total. Hein? Et ça, c'est David qui avait fait ça dans 1 Chronique au chapitre 24. Hein? Et puis, les Juifs ont gardé. Voici les classes de fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nabad, Abihu. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils allaient faire. Tzadok appartenait aux descendants d'Éléazar, Achimélec aux descendants d'Itamar. On continue. On les classa par le sort au verset 5. Shemadja au verset 6. Et fils d'Abiatar, on tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on tira une autre pour Itamar. Le premier sort issu, le quatrième sort, nous sommes en train de sauter à cause du temps. Le temps. Nous courons derrière le temps, puisque ça a pris beaucoup de temps. Et puis, au verset 10, on dit, le huitième, c'était Abidja. 1 Chronique 24, 10. Maintenant, la classe d'Abidja, la classe d'Abia, c'est là qu'appartenait maintenant Zacharie. Ça, c'était la date que lui devrait se retrouver dans le service, le tabernacle, en train de faire le service. Selon... Il était huitième, selon la numérotation, l'ordre qui devait suivre la classe. Et puis, 24e classe, c'était Mazia. C'était la dernière classe. C'est ainsi que fut classé pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel. Voyez-vous. Donc, ils entraient au temple selon le calendrier ici. Vous voyez là-bas? Là, on nous montre Abidja. Au numéro 4, là, si vous descendez, numéro 4, on te montre Abidja. On te montre maintenant la date de Tammuz. C'était le mois de Tammuz. On dit Zacharie devrait entrer normalement là-bas pendant cette période. Il devrait se retrouver dans le temple. Ça, c'était le premier mois. Puisqu'ils étaient au nombre de 24. Dans une année, il y a 52 semaines. Dans le calendrier juif, il y avait 51 semaines. 51 semaines dans le calendrier juif, puisqu'ils suivaient le calendrier lunaire. Maintenant, comme ils étaient 24, Zacharie devrait se retrouver dans le temple au moins deux fois par an. Au moins deux fois. Au moins deux fois. Maintenant, là, on nous montre une date probable à laquelle lui pouvait se retrouver là, dans le temple. C'est au mois de Tammuz, ou bien un autre mois, ou bien d'autres jours, puisqu'on va vous montrer un autre calendrier. Là où les sacrificateurs se retrouvaient tous ensemble dans le tabernacle. Je vais vous projeter un autre calendrier. Maintenant, si vous calculez six mois après, la date là, ça te montre quand est-ce que Marie a conçu et quand est-ce qu'Élisabeth a conçu et quand est-ce que Jean était né et quand est-ce que Jésus-Christ était né. Maintenant, ce calendrier, ça te montre une possibilité, puisque Zacharie se retrouvait dans le temple au moins deux fois. Maintenant, là, on te montre une date probable, au mois de Tishrei, quand est-ce que Jésus pouvait naître. Là, c'est une date probable, vers septembre-octobre. Donc, ça, c'est le calendrier, le premier. On te donne un peu, à peu près. Maintenant, on va voir un autre calendrier qui est encore plus explicite. Nous sommes en train d'avancer là. On te donne maintenant un autre calendrier. Ça, c'est le deuxième calendrier. On te montre d'abord la classe. Prislikos, c'est les classes des sacrificateurs. Sacrificateurs des Abiyah. Ils entraient dans le temple quel mois? Là-bas, on nous montre que le premier mois, c'était le mois de Nissan, qui correspond à mars, avril. C'est le premier mois du calendrier juif. Maintenant, là où on vous montre d'abord les autres mois et puis les classes des sacrificateurs, quand est-ce qu'ils pouvaient se retrouver dans le temple. Et là, nous avons celui que nous avons au numéro 8. Il y a d'abord au numéro 8, on a Abia, c'est Abia.
Abidjan, la classe d'Abidjan, il devrait être là au mois de Sivan. Sivan, au troisième mois dans le calendrier, le troisième mois, il devrait, dans la dixième semaine, c'était le tour de Abidjan, Avia, de se retrouver dans le temple. La première possibilité. Et puis au-dessus, vous voyez là-bas, la neuvième semaine, on a écrit Shavuot, All Priest, dans les sabbats de tous les prêtres. Mais tandis que dans l'autre calendrier, on ne te montre qu'une possibilité. Mais dans l'autre calendrier, on te donne quand même d'autres possibilités que au à la neuvième semaine, troisième mois, Shavuot, envers là, les sacrificateurs pouvaient se retrouver tous ensemble. Et là, l'autre mois, là, le neuvième mois, de l'autre côté, à droite, c'est le mois de Kisléo. Et c'était Avia aussi qui pouvait se retrouver là. C'est la 35e semaine, comme vous voyez à droite du tableau. 35e semaine, Avia, Abidjan, devrait aussi se retrouver là. Ils pouvaient se retrouver. Maintenant, le premier mois, troisième semaine, le Passover, c'est la Pâque. Tous les prêtres étaient aussi dans le temple. C'était une possibilité. Shavuot, le neuvième semaine, tous les prêtres, y compris Zacharie, devaient aussi être dans le temple. Donc, il était dans le temple à peu près cinq fois. Et puis, la date de Sukkot, la fête des tabernacles que je vous ai montré, c'était la 29e semaine. Sukkot, de tous les prêtres, au mois de Tishri, c'était le septième mois, le mois de Tishri, qui correspond vers septembre-octobre, pendant la période de Sukkot, Zacharie était dans le temple ce jour-là. Il devrait se retrouver dans ce temple-là, puisqu'on a écrit tous les prêtres devraient être là. Pendant la période de Sukkot, la 29e semaine, il devrait se retrouver là, il pouvait se retrouver là. La septième semaine, pardon, le septième mois, le mois de Tishri, qui correspond au mois de septembre-octobre. Comme cette année, en 2023, on avait eu le 7 octobre, lorsqu'il y avait attentat en Israël, c'était pendant la semaine de Yom Kippour. C'était pendant la période de Sukkot. Donc, c'était le mois de Tishri. Tous les prêtres se retrouvent dans les temples. Mais l'autre calendrier ne nous donne pas ça. Maintenant, on va voir à partir des Écritures, dans Luc au chapitre 1-8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Maintenant, quand est-ce qu'on offrait le parfum? Quand est-ce que tout le peuple était là? C'est alors que les savants ont calculé. Et les témoins qui étaient là, ils ont dit que c'était à cette époque de Yom Kippour que Zacharie était dans le temple. Selon le livre de Zacharie au chapitre 4, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot. La fête des tabernacles. Donc, lorsque Zacharie était dans le temple, c'était pendant cette période. Comme on a vu, d'après les gens qui ont, puisqu'il y avait des témoins oculaires, des témoins qui ont retracé la date jusqu'à trouver. Et les autres, les évodis, les autres là, qu'on n'a pas eu la chance de voir, puisqu'ils sont morts, on les a tous tués. Alors, ils connaissaient ces dates ici. Ah. Maintenant, nous, lorsqu'on commence à vérifier, on va avec les Écritures, on voit, non, ça c'est une date, vraiment, il y a quelque chose là. Mais, retenez, au verset 12, on dit, Zacharie fut troublé en le voyant, en voyant l'ange, et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi, écoutez, hein, écoutez, pendant cette période-là, lorsque les gens étaient à l'extérieur, lui offrait le parfum. Pendant cette période-là, selon la classe, il devrait se retrouver là.
il devait se retrouver là, puisqu'on l'avait tiré au sort. Il se retrouvait là. Il se retrouvait au moins 5 fois dans le temple. Au moins 5 fois dans le temple là, d'après le calendrier. Alors nous allons voir, ça c'est le calendrier, comme les Juifs nous ont donné, mois de Tevet. Pardon, écoutez. Maintenant, lorsque vous calculez au mois de Tevet, c'est alors, si vous, à partir du mois de Tishri, qui est le mois de septembre, octobre, si vous comptez 9 mois pour la naissance de Jean-Baptiste, puisqu'on a dit à Zacharie, ta femme va t'enfanter un fils, Jean-Baptiste était né le 25 juin. Jésus était né 6 mois après Jean-Baptiste, comme nous dit la Bible que Marie était partie chez Élisabeth lorsqu'Élisabeth avait 6 mois. Maintenant, ça tombe dans le mois de Tevet, qui est le 10e mois dans le calendrier des Juifs. Le mois de Tevet, c'est alors que Jésus-Christ était né, devrait naître d'après le calendrier ici. Là, ce sont les témoins. Comme le livre que je vous ai lu, ce sont les gens qui ont rapporté. Puisqu'on nous parle aussi de témoins, il y a aussi des témoins. Voyez-vous? Là, on nous montre que c'était pendant la période de Yom Kippour. L'argument en faveur de tout ça, l'hypothèse que Zacharie a été informé qu'Élisabeth concevrait pendant la fête solennelle de Yom Kippour, les jours des expiations. Nous sommes en train d'agrandir. Là, ce sont les témoins, les gens qui ont vécu, les gens qui ont fait des recherches.
Nous avons connu, on a connu un problème là de connexion. Un problème de connexion. Oh, la vidéo a été combattue. La vidéo a été très combattue. Mais on va terminer juste cette petite partie qui nous reste. Alors nous voyons à partir d'ici que la date à la naissance de Jésus nous a été donnée dans tous ces livres ici. Et il y a un livre dont on était en train de parler, qu'on appelle ça Megillat Ta'anit. Dans ce livre ici, c'est un livre qui a été écrit en araméen. On nous parle aussi de la naissance de Jésus. C'est un livre qui parle de l'histoire des enfants d'Israël depuis le temps de Judith, de l'empire Asmonéen. Là, c'était bel et bien avant la naissance de Jésus. On nous relate ce qui s'était passé. Alors, dans ce livre, on nous parle de tout ça. De la naissance de Jésus et ce qui s'était passé. Alors, voyez-vous, ce qui s'était passé, l'an 140 avant Jésus-Christ, hein, l'empire Asmonéen, dans ce livre, on te parle de ça. Maintenant, si vous lisez ce livre de Megillat Ta'anit, et dans ce livre aussi, on parle de la naissance de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il il était né, comment est-ce qu'il devrait naître, tout ça. Dans Megillat Ta'anit, c'est un livre qu'il faut chercher. Là, on parle aussi de la naissance de Jésus. Donc, comme on a vu, ça parle aussi juste l'histoire de l'an 66 de Agrippa. Donc, dans ce livre, on nous parle aussi de la naissance de Jésus-Christ. La fête de Yom Kippour, le 25, Lévitique 25, le 10e jour du mois de septembre, du 7e mois, tu feras retentir le son. Bon, ça, on avait vu avant. Nous sommes en train de conclure la vidéo. On doit conclure la vidéo puisque notre vidéo a été attaquée. Là, c'est juste les conclusions que nous sommes en train de faire. Dans la naissance de Jésus, c'est le jour le plus merveilleux. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas ça. Il essaie de troubler, d'apporter ces gens pour venir semer la confusion. Maintenant tout ceci, Pourquoi est-ce que le diable fait ça? Le diable, il est contre. Pourquoi est-ce que le diable est en train de faire tout ça? Je vais vous montrer. Il y a cette soeur ici qui avait fait une très belle réflexion. Il faut écouter. Vous allez voir pourquoi est-ce que le diable est très fâché contre lorsque les gens célèbre la naissance de Jésus. Il commence à venir avec beaucoup de mensonges, tout ça. On va terminer avec la réflexion de la sœur ici. Oui. On va terminer. Notre vidéo a été vraiment bloquée. Là, c'est la conclusion que nous sommes en train de tirer. Et je vais prendre cette partie ici. Je vais éditer la vidéo pour ajouter cette partie. Ajouter cette partie à la vidéo. Et je vais vous jouer juste la vidéo de la sœur. De la sœur ici. Ayan. Qui a fait une belle réflexion. Comment est-ce que le christianisme est attaqué. Suivez la vidéo de Ayan. Je vais chercher, c'était à quelle minute? Vous allez voir.
Il dit pourquoi est-ce que le monde est contre les chrétiens? And pass that story on. And what I've observed in the last few years, 2-3 decades, and I didn't see the significance of it until the emergence of the woke movement. Cette sœur ici, elle était musulmane, elle était née en Somalie, elle est devenue, elle a quitté l'islam, elle était devenue athée pendant presque 20 ans. Elle était athée. Moi, je la connaissais comme athée. Mais il y a quelques semaines, elle est devenue chrétienne. Quelques semaines, peut-être un mois, un ou deux mois, elle est chrétienne. Maintenant, elle dit que lorsque les gens faisaient des mouvements contre des marches, tout ce, l'histoire de libéralisme, ce que les gens réclament. Elle dit que lorsque ça se faisait il y a 20 ans, 30 ans, elle ne voyait pas les dangers de ce que faisaient les gens. Ce n'est que maintenant qu'elle a compris les dangers dans lesquels nous nous trouvons dans ce monde, où les gens sont devenus méchants. Les gens réclamaient des histoires. Oh, il faut enlever, par exemple, le nom de Jésus dans les écoles. Il faut enlever les Bibles dans nos écoles. Il faut enlever même le mot Noël, enlever ça dans nos écoles. Il faut enlever la prière dans nos écoles. Il faut enlever le mot religion dans nos écoles. Tu trouves même des chrétiens qui disent que moi, je n'aime pas la religion, je ne suis pas religieux. Maintenant, la sœur ici dit que je ne voyais pas les dangers de ce que nous étions en train de réclamer à cette époque-là. C'était normal pour réclamer. Mais aujourd'hui, les dangers, nous voyons que toutes ces réclamations-là, on trouve que nous voyons maintenant les dangers, là où ça nous amenait. Il y a des athées, il y a des homosexuels, même des gens qui sont dans des églises, qui commencent à prêcher des messages subversifs. Tu ne sais pas, ils soutiennent quelqu'un, d'autres, ils condamnent ça, d'autres ne condamnent pas ça. Ça, c'est la sœur qui dit, on ne connaissait pas ce qui se faisait. Mais maintenant, tout est clair. L'agenda est clair pour le moment. Tout est clair que ces gens-là luttaient contre Jésus. Mais elle dit, je ne savais pas ce qu'on faisait. Mais maintenant, tout est clair. Vous voyez que le monde, le diable était très fâché. Lorsqu'il luttait contre la religion, ne dites pas religion. Même dans les églises, un pasteur dit, je ne suis pas religieux. Un autre dit, il ne faut pas prendre la dîme. Un autre dit, il ne faut pas fêter Noël. Noël, c'est une fête païenne. Noël, c'était en hiver. Noël, c'était la fête du Dieu Soleil. Alors, il dit que je ne voyais pas les dangers de ce que les gens... Mais aujourd'hui, l'agenda est clair. C'était Satan. C'était Satan qui est en train de combattre. Maintenant, écoutez ce que la sœur ici a dit. C'est une belle réflexion. J'ai vraiment aimé cette sœur ici. Now, try and now bring it to its roots. And pass that story on. And what I've observed in the last few years, 2-3 decades, and I didn't see the significance of it until the emergence of the woke movement, is when we were told, you know, remove names like Easter and Christmas from schools. Donc, enlever les noms comme Pâques, la fête de Pâques, ou bien Christmas, enlever ça dans nos écoles. La sœur ici, il dit, je ne voyais pas les dangers de ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je ne voyais pas. Mais maintenant, je comprends. The emergence of the woke movement is when we were told, you know, remove names like Easter and Christmas from schools, or remove any kind of religious studies from schools and expand everything with this and dilute everything. Il dit, et enlever même les études des religions. Enlever toutes ces histoires-là dans nos écoles, il faut diluer, il faut aménager pour tout le monde. C'est ce qu'on nous disait. Pour elle, elle dit que c'était normal, mais elle ne comprenait pas les dangers. Mais maintenant, elle voit que c'est, il y a un autre agenda. Easter and Christmas from schools, or remove any kind of religious studies from schools and expand everything with this and dilute everything. I didn't understand the significance of what was happening. But now that that's quite clear, and it is about dismantling our society brick by brick, by removing every
again meaningful. Elle dit que maintenant tout est clair. Que l'agenda, c'était pour démanteler notre société, de détruire notre société brique par brique, détruire toutes les valeurs que nous avions auparavant. C'était ça l'agenda du diable. Mais on voyait ça sous le... Elle dit qu'on marchait même. Marche de colère, marche de soutien, marche de ceci, on ne veut pas la religion, ne dites même pas religion. Même un pasteur dit, je n'aime pas la religion. Jésus-Christ n'aime pas la religion. Je ne suis pas religieux. Enlevez même le cours de religion dans nos écoles. Maintenant, la sœur ici dit, c'était un système qui était mis pour démanteler même les valeurs de la société. Détruire, c'était le plan du diable. Elle dit que maintenant, tout est clair. Ah, j'aime beaucoup ça. Found everything with this and dilute everything. I didn't understand the significance of what was happening. But now that that's quite clear, and it is about dismantling our society brick by removing every, again, meaningful edifice of it. That's, I think, when you stand up to them by telling the story of how and why all this came about, and again, transmitting it. You don't have to run around with the Bible. Donc, voyez-vous, c'est là que maintenant la société se retrouve maintenant. Nous sommes dans... On se retrouve maintenant. Tout le monde dit tout ce qu'il pense. Et c'est ça le danger. Donc, c'était un plan du diable pour lutter contre tout ça. En tout cas, ça, c'est une récapitulation. Je vais essayer de mélanger les deux vidéos, hein, puisque la vidéo a compliqué. Je vais essayer de faire un mixage entre les deux vidéos. Comme ça, on se retrouve prochainement. Et que Dieu vous bénisse. Contactez-nous au téléphone pour les gens qui veulent donc nous contacter. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, likez la vidéo, hein? Partagez. Moi, mes vidéos sont ouvertes au public. Vous pouvez faire avec mes vidéos tout ce que vous voulez, hein? Tout ce que vous voulez. Partagez la vidéo. Il faut que le message puisse partir trop loin, que les gens, le peuple de Dieu puisse être donc. Le peuple de Dieu doit être instruit. Jésus, par ton sang précieux, allez faire mon iniquité. Regarde-moi du haut. Jésus, par ton sang précieux, allez faire mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, que rêvais, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, j'aimerais. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Mot de manapéto, mot de
In the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow.